que sinon, il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi, je vais le ramener dans la rue pour que les Camerounais... Nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul Biya. Qu'il nous sorte ses PV. Tant qu'ils ne nous sortiront pas ses PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient, le peuple camerounais revendiquera sa victoire. Monsieur, si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Tous ces États où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, il n'y a pas de président en Afrique du Sud. Je le redis ici, la chance que Paul Biya a, c'est que c'est le professeur Kamto qui va être candidat. Si M. Kamto veut être président de la République de ce pays va se détruire. Mais président Kamto, vous êtes un conciliateur, vous êtes un homme calme, vous êtes un homme posé. M. Biya vous doit un peu sa liberté à partir du 7. Il devrait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est dans cette personne qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non. Les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement! Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivi, alors il y aurait trop. Mais il a dit, moi je ne veux pas de trop. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de trop, parce que moi je voulais le trop, je me suis mis de côté. La politique ne doit pas enlever de nos esprits la petite fibre humaine que chacun de nous devrait porter en lui. Si M. Kamto veut communiquer sur Corona, qu'il le communique sur Corona. Qui laisse tomber ces histoires de rumeurs de la rue, parce que sinon il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi je vais le ramener dans la rue pour que les Camerounais sachent en fait qui il est, M. Kamto. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là, des responsables dans leur pays? Moi je dis qu'il faut savoir raison garder. Jamais, nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul Biya. Non, Matin Tayo a raison. Il a raison de rire. Excusez-moi, ça peut un peu grincer là. Voilà. Alors, chers amis amoureux du Cameroun, chers amis amoureux de la sorcellerie, alors, rebonsoir, rebonjour, bon après-midi pour ceux qui sont, dépendamment d'où vous êtes, hein. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on va dire bonjour, bonsoir, vous savez, c'est 6 heures de décalage, avec le Canada aussi. Alors, Stevie, ça m'est revenu aujourd'hui, je suis tellement amusé, je suis en train de mourir de rire depuis, j'ai fait un peu de jogging aujourd'hui, j'étais en train de rire. Pardon, taguez-moi Martin Tayo dans ce live, s'il vous plaît, taguez-le. Taguez-moi Martin Tayo, je suis mort de rire aujourd'hui, je suis mort de rire. J'ai lu tout un ouvrage hier, tout un ouvrage. Je voulais comprendre comment est-ce que on peut comprendre l'homme camerounais. Je voulais comprendre s'il y a une partie de ma vie où quelque chose n'a pas marché. Je vous assure que hier, j'ai passé ma vie. À l'école, chez nous, vous savez, les gens ne consomment pas comme nous là. On appelle ça chez nous gratter le grattage. Donc, vous passez la nuit à gratter les papiers, gratter les bords, gratter les livres, gratter les fascicules pour trouver un élément qui allait me permettre de comprendre là où j'ai fait erreur, là où ça n'a pas marché. Donc, mes frères, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live. Le live, il va avoir deux parties seulement. On va mourir de rire aujourd'hui. Deux parties ce live, rien que deux. Pas comme d'habitude, on a trois parties. Taguez-moi Martin Tayo. Pour taguer quelqu'un, vous appuyez le bouton arroba, vous appuyez arroba et vous mettez son nom derrière. Taguez tous, taguez-moi même Kamo la Panthère. Parce que Kamo la Panthère a fait un travail de titan hier. D'ailleurs, toute la nuit, vous avez pu revoir son live sur ma page officielle. Vous avez pu revoir son live sur ma page YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page YouTube, c'est le moment. Allez vous y abonner, c'est important. Parce que les directs que je vais trouver qui seront intéressants pour vous, je vais prendre le temps de les découper, de prendre les éléments qui sont importants là
et je vais les mettre dans la page YouTube pour que vous puissiez vraiment lire, vous puissiez avoir de la quintessence, vous puissiez écouter vraiment en substance ce que le live l'a dit. Je mets ici déjà directement le lien du live que Kamala Panté a fait hier. Partagez-le, ça doit être viral. Ce live doit être viral. Donc, même vos grands-mères au Cameroun, même vos arrière-grands-mères doivent entendre parler du live que Kamala Panté a fait hier. Donc, je vais mettre sur cette page d'abord le lien du live que Kamala Panté a fait hier. Comme ça que vous partiez regarder ce live-là. Partagez-le. Et j'ai mis ça sur YouTube pour que vous puissiez télécharger cette vidéo plus facilement. Parce que Facebook supprime parfois les vidéos qui dérangent. Facebook supprime les vidéos qui sont nuisibles pour le gouvernement camerounais parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent par ce satrape-là pour vous rendre idiot, pour vous rendre maintenu dans l'ignorance, pour qu'on ne vous dise pas les vérités. Donc, je mets ici, j'épingle directement le lien de la vidéo là parce que j'ai téléchargé la vidéo immédiatement après la sortie de Kamala Panté. Je l'ai mis en ligne. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une retransmission directe sur ma page. Donc, allez-y, regardez ce direct-là. Kamala Panté a fait un coup fort hier. Donc, la première partie de ce direct, d'abord, va s'adresser... Stevie, je sais où il y a erreur. Reconnaissons nos enfants. Mais tu parles de quoi, la femme-ci? Si tu as quelque chose à me dire, pardon, mon numéro de téléphone affiché, là, tu peux appeler, là, tu me dis si j'ai perdu un enfant quelque part. Je n'ai jamais perdu un enfant quelque part, moi. Je ne procrée pas n'importe où, moi. J'ai ma baguette bien fermée. Donc, alors, c'était une petite musique. C'était peut-être la blague. Hein? Bonsoir à toi, chasserie. Je n'ai pas d'enfant que j'ai perdu quelque part. Donc, si ça veut, toi, pardon, montre ton visage, que je me rappelle au moins dans quelles circonstances toi et moi, on a eu un enfant. Ok, pardon. Bon, on arrête de blaguer. On revient aux choses sérieuses. Déjà, Kamala Panté, je suis content de te voir dans ce direct. Je tenais à te le dire. Je tenais à te le dire de façon... Allô, bonjour. Allô, Stevie. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Stevie. Comment tu vas? Je suis très content parce que je m'apprête à dire un truc terrible dans un live. Donc, je te donne la parole. Oui, moi-même. C'est-à-dire, dès que j'ai seulement entendu ce que tu as balancé là au début, je me suis réveillée. Ok. Voilà, et tu disais que tu ne sais pas là où il y a la faute. Et j'ai dit que je connais là où il y a la faute. Et j'ai donc fait le message que tu viens de lire là. Ah, tu sais qui c'est où il y a mon enfant que j'ai oublié. Oui, mais attendez, il y a un problème. C'est que nous, franchement, il faut dire la vérité. Apprenons à reconnaître nos enfants. Parce que tous les enfants qui dérangent là au Cameroun, la majorité, ont des parents bamileke qui ne les ont pas reconnus et qui ne les ont pas assumés. Donc, c'est là où je voulais en venir. Ah, mais si là, tu rassures près de 200 personnes parce que tout le monde était connecté. Là, les pères Japap, les pères du Japap étaient concentrés pour dire on va voir l'enfant de Stevie. Ok, c'est bon, vas-y. Reconnaissons nos enfants et assumons-les. Parce que ce soit Calice Beyala, que ce soit Joseph Kepuma, que ce soit Paul-Éric Kenyé, ce sont des enfants qui n'ont pas été reconnus et qui n'ont pas, et dont les papas n'ont pas assumé leur rôle. Je vais en venir. Je vais expliquer. La paix mondiale au Cameroun. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction. Je te reviens, je suis là. Super. Ok, reste connecté. Charge ton téléphone. Mets ton téléphone en charge parce que ça peut chauffer. Ça peut se chauffer tout à l'heure. Je vais encore intervenir. Donc, vraiment, Bamileke du monde entier, reconnaissons et assumons nos enfants. Ok, merci. Je vais passer le message aux Bamileke qui nous suivent. Merci encore pour l'appel. Donc, vous avez suivi, ça c'est par procuration que je vous passe le message de l'intervenante qui disait que les Bamileke doivent reconnaître les enfants. Les frères, il faut reconnaître vos enfants. Alors, revenons, on a pu conclure que Stevie n'a pas un enfant perdu quelque part. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'on n'a pas laissé une balle perdue quelque part. Donc, écoutez-moi, on revient un peu sérieux. Je vais dire à Kamala Panté vraiment, merci pour le travail que tu as fait. Je ne dis pas pour le travail que tu fais. Je dis pour le travail que tu as fait. Parce que depuis un certain moment, j'ai commencé à comprendre qu'il faut faire hommage aux gens quand ils sont encore en vie. Et je ne te dis pas
courage, je ne suis pas content du travail que tu as fait parce que tu as dit que Paul Biya est mort avant tout le monde, parce que tu as une certaine ligne de conduite. Je le dis parce que il y a une sortie que tu as faite. Il y a une sortie que tu as faite qui a doublé tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Mavena, te laisse-moi avec l'affaire d'enfant là. Il y a une sortie que tu as faite qui a détourné, qui a dépassé tout le monde. Et je vais te parler de cette sortie aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, il y a un jour, ça fait quelques semaines, hein, pour ceux qui ont oublié, il y a huit jours, je crois bien, que Billy a dit à travers la voix d'un narcissique tribaliste ou bien narcissique tribalo-bamilophobe qui s'appelle Narcisse Mbaga et sa clique, Billy a fait savoir aux Camerounais de la diaspora française, allemande, européenne qu'il était mort. Billy a fait savoir qu'il était mort. Moi, je ne suis pas dans le camp de Billy. Et Dieu seul sait que je n'avais pas fait un live pour dire à Billy vraiment que ton âme repose en paix. Parce que Billy avait choisi son âme va reposer en paix ou pas, selon moi. Mais Kamo Lapanté a fait une sortie. Et dans cette sortie, Kamo Lapanté a dit, vraiment Billy, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même camp. C'est vrai qu'on s'est bagarré. C'est vrai qu'on n'est pas... tu es Sadina, je suis Tontina. C'est vrai qu'on n'a pas la même idéologie politique. Mais si tu es mort vraiment, que ton âme repose en paix. Mes frères, nous sommes près de 300 sur cette page maintenant. Dites au moins ce, reconnaissez en vous que ça c'est une action de quelqu'un qui est grand. D'être capable de dire à quelqu'un qui est dans le camp adverse, qui tombe, vraiment mon frère, même si tu tombes, on reste Camerounais, c'est ça être grand. Et ça que je salue encore mon apprentière. Je salue cette action. Il y a des petites actions, on dit... On ne devient pas grand bandit en une année, non. C'est en une seconde qu'on devient grand bandit. Parce que être voleur, être méchant, être gentil, c'est un choix. Et le choix se fait en une fraction de seconde. Alors, donc je tenais vraiment à dire à Kamo Lapanté, ça j'ai vu, j'ai aimé, merci, c'est une très bonne action. Donc, ça montre la personne que tu es. C'est un point qui m'a vraiment intéressé. Donc, ça m'a fait mal de voir hier et d'entendre dans un live que Billy ose proférer des menaces, pas à Kamo Lapanté, mais il profère des menaces contre un enfant qui a pour crime, si jamais ce fût le cas, d'être né dans la famille de quelqu'un qui se bat pour le Cameroun. Je trouve ça lâche. Ce n'est pas parce qu'il va faire quelque chose à cet enfant. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables. Je peux prendre une voiture ici. Demain, là, on va à Paris. On trouve le signalement de Billy. Là, là, là. On le récupère dans sa maison, là. On lui donne une fessée internationalement reconnue par les droits de l'homme, par les droits camerounais, par la société civile. Dieu seul sait. Quand moi, autour de lui, des personnes qui ont fait des arts martiaux, on se connaît entre nous. Donc, chez nous, en langage martial, en langage des arts martiaux, on appelle ça K.O. Oshidigari. Tous les pratiquants d'arts martiaux vont vous dire, on va lui donner une fessée majestueuse. Mais parce que nous, on n'est pas comme ça. Il faut comprendre que c'est une honte de voir que la seule personne dans le camp des tontinards, j'espère que Billy me suit dans ce live, partagez-lui ça. La seule personne dans le camp de tous les tontinards, même ceux avec qui Billy parle au téléphone. Je vous dis, je ne veux pas faire une polémique là-dessus, j'ai mes sources. Le moment va venir où je vais en parler. Même les tontinards avec qui Billy parle chaque jour au téléphone, même les tontinards à qui Billy envoie les audios des conversations qu'il a, n'ont pas fait une sortie pour dire vraiment Billy que ton âme repose en paix. Ce que Kamo Lapanté a fait démontre clairement que si Billy
était dans une situation vraiment désastreuse en route, que quand Mola Panthère passait avec sa voiture, il voyait Billy vraiment en détresse, il allait s'arrêter pour secourir Billy, parce que Billy n'était pas Billy le Sardinat, c'était Billy le Camerounais. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. C'est ces actions qui déterminent la personne. Donc, parce que j'ai vu quand Mola Panthère sortit ce jour, j'ai fait une parallélisation, excusez-moi le mot, j'ai fait une comparaison, un rapprochement avec ce que j'ai entendu Billy dire hier. Vous imaginez Billy. Hippone, oui, tu lui donnes. Hippone, ça y est, je comprends. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre avec qui on travaille. C'est important de comprendre avec qui on travaille. Et je dis, n'attendons pas toujours que les choses qui soient trop tard pour dire aux gens vraiment ceci tu as fait bien, ceci tu as fait mal. Parce que si on disait à Paul Biya, ceci tu as bien fait, ça tu as mal fait, peut-être qu'il l'aurait changé avant, il l'aurait changé depuis. Donc vraiment, prenez le temps souvent de dire à vos amis, vraiment tu as fait quelque chose qui est bien, tu as fait quelque chose qui est mal. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant on peut commencer notre discussion. Alors j'ai intitulé ce direct aujourd'hui, le syndrome du chien battu. Je vous expliquais hier. J'ai lu tous les livres que j'avais sous la main. Tous les livres. Parce que je voulais comprendre où ça n'a pas marché. Je voulais comprendre où ça n'a pas marché. Et je n'arrive toujours pas, jusqu'à là où je vous parle, à comprendre ce qui n'a pas marché au Cameroun. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé ce direct « Le syndrome du chien battu ». Parce que c'est pour moi le seul concept qui me permet d'expliquer un peu vraiment d'une façon substantielle, d'une façon plus claire, ce qui se passe au Cameroun et dans la diaspora camerounaise en général. Alors, commençons. Vous voyez, au départ, je vous ai fait écouter une sortie de PEC. C'est parce que PEC, en réalité, ce côté adolescent, tu n'aimes pas. Ah non, vous êtes amusant. Bon, je ne vais pas commenter ça. De toute façon, ce que je veux vous dire, c'est que même dans une guerre, on fait parfois des pauses. Je vais prendre des appels dans une minute. Pardon, donnez-moi le temps de finir mon développement. Je vais prendre des appels dans quelques moments. Même dans une guerre, on fait parfois un cessez-le-feu. On va s'asseoir, on mange. On va s'asseoir, on boit. On va s'asseoir, on écoute la musique. On va s'asseoir, on se distrait. C'est important. Par contre, ce qui se passe au Cameroun est très important. Parce que le paysage camerounais aujourd'hui démontre à suffisance que le peuple bamiléké, je le dis aujourd'hui et j'assume mes propos. Je le dis aujourd'hui et j'assume mes propos. Je mets quiconque veut un débat ouvert là-dessus. Je le dis, c'est le peuple bamiléké qui devient la plate tournante du Cameroun. Je le dis encore, c'est ce peuple-là qui devient la plaque tournante du Cameroun. Parce que dans toutes les affaires du Cameroun, bonnes, mauvaises, à la tête de ces histoires, il y a toujours des bamilékés pas loin. Nous sommes, pour les bamilékés, un groupe de personnes qui savent s'investir à 100%. Quand il faut travailler. Nous sommes un peuple qui faisons beaucoup de concurrence avec nous-mêmes, avec nos ressortissants, avec nos proches. Je vais vous expliquer ça par un exemple plus simple. Au Cameroun, il y a un phénomène qu'on appelle les concours nationaux. Je vais donc vous donner le cas d'un concours qu'on appelle le concours de l'école, le concours de Polytechnique. Le concours de Polytechnique est l'un des concours les plus difficiles au Cameroun. Parce qu'avec le concept que Joseph Oron avait mis sur pied, qu'on appelait l'équilibre régional, ce concours permettait à un individu qui venait de l'Ouest d'échouer le même concours avec 17 de moyenne. Je ne vous dis pas parce que j'ai entendu, je vous dis parce que j'en sais quelque chose. Je vous dis parce que j'en sais quelque chose. J'ai moi-même fait des concours au Cameroun. Deux, pour être plus précis. Et il y a des concours
que vous échouez sans avoir composé. Que vous échouez sans avoir tenu le stylo dans votre main. Parce que vous venez, ou bien votre nom a une connotation qui n'est pas agréable à l'oreille. Vous échouez ce concours. Alors, je vais vous expliquer donc dans les fondamentaux pourquoi je dis donc que le peuple bamileke devient aujourd'hui la plaque tournante même du futur du Cameroun. Je ne dis pas ça parce que je veux tribaliser ce que nous faisons. Je ne dis pas ça parce que je veux dénigrer les autres groupes culturels. Non, je suis en train de donner un point positif du côté des bamileke. Alors, dans un pays où quand vous êtes né à Yaoundé, quelqu'un comme moi qui suis né à Yaoundé par exemple, je peux passer le concours à Yaoundé avec 15 de moyenne. Pour moi, 15 de moyenne, c'est l'excellence à mon niveau parce que je ne peux pas atteindre ce niveau. Je n'ai jamais atteint ce niveau-là, plus avant d'avoir fait le concours, pour un élève qui est né à Yaoundé. Alors, par contre, un enfant qui est à Yaoundé, à Bafan, à Bafoussam, à Tchang, lui là-bas, qui est né dans ce fief bamileke-là, qui ne connaît que son école, quand il rentre chez lui, il prend sa lampe tempête, il fait ses mathématiques, il maîtrise ses mathématiques. Pour ceux qui veulent avoir une référence, moi quand j'ai fait, pour ceux qui ont fait physique du côté de Consamba, il y avait un professeur qui était réputé. Il a refusé même d'aller dans les ministères. Je ne vais pas dire son nom parce qu'on va dire que je suis affilié à lui. Mais tous ceux qui ont fait un Consamba, tous ceux qui font les matheux, les amoureux de la physique, vous connaissez de qui je parle. Il était le seul jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais été égalé par qui que ce soit. C'est un monsieur qui expliquait des théorèmes physiques comme on explique le 1 plus 1 égale 2. Ce monsieur n'est jamais sorti de son village natal. Alors, vous voyez, un monsieur comme celui-là, quand il va faire un concours, quand il va préparer un enfant à faire un concours comme celui de Polytechnique, l'enfant va passer avec 18 de moyenne. Mais puisque l'enfant est bamileke et que moi je suis bamileke, on va dire que le quota des bamileke est atteint parce que lui il a 18 de moyenne, le deuxième aura 18,5. Lui il a 18,5, le deuxième aura 18,20. L'autre aura 18, peut-être 10. L'autre aura 18,00. L'autre aura 17,50, 17,80. L'autre aura 17,50. L'autre aura 17,25. Vous voyez que voilà comment on tue l'excellence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut faire l'équilibre régional, ça veut dire qu'il faut équilibrer les régions. Vous savez ce que ça veut dire en bon français, l'équilibre régional? Je vais pas insulter certaines personnes. Alors, puisqu'il faut faire cet équilibre régional, on va donc prendre des personnes parce qu'elles sont, par exemple, originaires du Grand Nord. On va dire que parce qu'au Nord, il n'y a pas d'école. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas d'école dans le Grand Nord? Est-ce la faute des ressortissants du Grand Nord? Pas trop vrai. Vous comprenez donc que dans ce contexte-là, on va dire ceux qui viennent du Grand Nord, on va leur donner la possibilité d'entrer dans ce truc parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'école. On va dire, celui qui a 11 de moyenne, on le prend, il est reçu dans le concours, il passe le concours. Vous voyez que voilà une injustice intellectuelle. Oui, il a enseigné au lycée de Maningumba. Il dit, vous voyez que voilà une arnaque intellectuelle. Vous avez donc un individu qui a échoué parce qu'il avait 16, 17 de moyenne. Et un autre individu qui passe parce qu'il a 11 de moyenne. Je veux donc dire par là que quoi? Voici l'exemple que je viens de vous donner. C'est la même chose par exemple avec le littoral. Quand vous allez faire une comparaison, je vous rappelle que la ville de Consamba est dans le littoral. Oh, tu as connu M. Talom, ça fait plaisir. Oui, c'est lui, on peut le dire. On peut le dire. C'est la référence. Vous voyez, l'intellectuel, c'est un peu comme une pierre. Parce que la pierre, c'est un élément de la nature qu'on ne déplace pas facilement. Et une fois qu'il est quelque part, il laisse ses marques. Bon, si j'en passe. Je disais que même pour Consamba, qui est dans le littoral, tout comme Douala, vous allez vous rendre compte que s'il y a un concours au niveau de Douala, dans le chef-lieu, par exemple à Douala, dans la grande ville, vous vous rendez compte qu'un enfant qui vient, par exemple,
du collège Saint-Michel de Melun, de quelqu'un qui vient du collège Sainte-Jean d'Arche, Sainte-Monique de ma ville, de Consamba quand même que j'aime bien, ou bien de quelqu'un qui vient d'une autre ville là, à côté, là, environnante au littoral là, ou qui juste à pose, qui est juste à poser au littoral. Les enfants qui viennent des régions reculées sont plus efficaces parce qu'ils ont plus de temps pour l'école. Raison pour laquelle, donc, quelqu'un qui vient de Consamba va passer avec 17 de moyenne, 18 de moyenne. Dieu seul sait les moyennes qu'on avait quand on était encore ici demain, quand on était dans le collège à Consamba. Donc, voilà donc comment, je suis en train de vous expliquer pourquoi il est question d'un génocide d'abord intellectuel. Il faut imbéciliser la population camerounaise. Mais parce que la population camerounaise, donc, n'arrive pas à comprendre. Parce que la population camerounaise n'arrive pas à comprendre que pour qu'un gouvernement dictatorial existe, qu'il faut absolument qu'il y ait un peuple qui ait faim. Il faut absolument qu'il y ait un peuple qui ait soif. Il faut absolument qu'il y ait un peuple qui veut l'apprendre. Il faut forcément qu'il y ait un peuple qui n'ait pas d'histoire. C'est ça la désorientation. C'est quand un peuple est envoûté, est imbécilisé, est désintellectualisé, que la politique de la dictature, que l'autocratie peut donc s'exprimer librement dans un État. Et la répression dans ce contexte-là n'est là que pour mater ceux-là qui sont dissidents à cette forme de gestion-là. Je vous ai démontré que l'équilibre régional en soi, ce n'est pas le problème. Parce que l'équilibre régional apparaît comme étant la bonne volonté du gouvernement d'aider le peuple camerounais. Pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup d'école, vraiment, nous, le gouvernement, on vous aime. Comme tout à l'heure, je viens de recevoir un message là. Je vois une notification là que Paul Biya a fait un don. Paul Biya a fait un don. Alors que les Camerounais sont en train de mourir. Vous savez quelle est la population du Cameroun? La population du Cameroun, nous sommes à pratiquement 27 millions. 27 millions. Nous sommes à pratiquement 27 millions de Camerounais. Je vais vous dire ce qui se passe. Paul Biya, dans sa sagesse, dans son amour putréfide, a daigné donc apporter au Camerounais un don. Ce n'est pas que le Cameroun a cotisé, le Cameroun a payé les impôts, non. Ce n'est pas qu'on prend l'impôt libératoire aux femmes qui ont les caisses, non. Ce n'est pas qu'on prend l'impôt libératoire au bas, non. Ce n'est pas qu'on arnaque les Camerounais chaque jour en leur disant vous n'avez pas de carte d'identité, vous payez 6 000 francs, vous n'avez pas de masque pour respirer, on vous prend 6 000 francs. Ce n'est pas qu'on arrête les taxis tous les jours en route pour les prendre 2 000 francs. Ce n'est pas que. Non, non, non. C'est que Paul Biya fait un don. Le tout gentil Paul Biya qui est mort. Je vais revenir sur le cas de Paul Biya plus tard avec beaucoup d'autres révélations. Voici ce qui a été pondu aujourd'hui par le ministère de communiqué de presse. Le ministre de l'administration territoriale a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale que, ah bon, ils ont une opinion internationale, je ne savais pas, que dans le but de renforcer auprès de la population des mesures visant à contenir la propagation du COVID-19 au Cameroun, le président de la République, le défunt Biya, a décidé d'accorder de sa tombe un don spécial aux 360 arrondissements du Cameroun. Ce don spécial n'est pas à confondre avec une action du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef blablabla dans le cadre de cette pandémie. Alors mes frères, voilà ce qui est dit au Cameroun. Et les Camerounais ne sont pas plus surpris que ça. Donc, il a fait un don. Et écoutez donc le don que Biya a fait. De sa tombe, hein, je ne sais pas si c'est Lucifer qui a signé, qui a visé pour lui faire sortir. Alors, ce qu'il a envoyé aux Camerounais, son cher peuple qu'il adore, qu'il aime, qu'il soutient, qu'il protège contre le coronavirus, malgré le fait qu'il se cache depuis des semaines. Il a envoyé donc, pour cela, 2 milliards. Ça s'élève à 2 milliards pratiquement. Et voici ce qu'il a acheté. 550 000 cartons de savon de lessive. Donc, pendant que les gens se battent contre le coronavirus, Paul Biya envoie le savon pour laver les habits aux gens. C'est super, Paul Biya. Youpi, il faut qu'on applaudisse le président de Sardinia. Il a envoyé 1 500 000
un masque de protection pour la population camerounaise. Je rappelle seulement, ce n'est même pas le tiers de la population du Cameroun. Donc 1 500 000 masques. Mon Dieu, que Dieu protège le Cameroun. 1 500 000. Je vous ai dit au départ que nous sommes près de 26 millions de Camerounais. 1 500 000 là. Comment on appelle ça, comment? La moyenne d'âge au Cameroun en 2018, c'était 17 ans. Donc, ça veut dire que pour une population, on n'est pas capable de sauver la future génération, dont les enfants même de moins de 17 ans, on ne peut pas les protéger, parce que c'est largement au-delà de 1 500 000. Continuons les merveilles des dons du Cameroun à la sardinade, à la façon sardinade. 75 000 sauts de ménage, dont Paul Biya en crise de coronavirus. Les Camerounais sont en train de mourir. Paul Biya, du fond de sa tombe, décide lui, vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour le Cameroun, avec l'amour que j'ai pour mes frères, vraiment, il faut que vous ayez des seaux pour vous laver. Donc, voilà comment Paul Biya combat le coronavirus. Ça, c'est comme ça des méthodes qu'ils ont trouvées pour combattre, pour combattre le projet du professeur Maurice Kamto. Donc, ils sont assis. Ils ont fait des séminaires, ils ont fait des symposiums, ils ont fait des conglomérats, ils ont fait sur tous les forums où ils étaient, ils ont réfléchi. Voici ce qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu trouver comme manœuvre pour combattre le processus de protection des Camerounais comme le professeur Maurice Kamto a mis sur pied. Donc, on est encore au saut de lavage, les seaux pour laver le sol. C'est important contre le coronavirus. Hein? Il faut avoir les seaux pour se laver le dos. Pour se frotter le dos, c'est important contre le coronavirus. N'importe quoi. 40 000 bidons lave-main d'une capacité de 30 litres chacun. C'est important de mettre la capacité, hein, d'une capacité de 30 litres. Mais je vais vous poser une question. C'est quelle eau qu'on met dans ces bidons-là? C'est l'eau chocolat du Cameroun, là. Je rappelle que le chocolat est même encore plus translucide que cette eau-là. Donc, voilà. Voilà, il envoie 40 000 bidons lave-main. Voilà ce que Paul envoie. Alors, il envoie des kits de tests et de dépistage rapide. Je vous rappelle encore. On va vous dépister au Cameroun. On va vous dépister au Cameroun. Tu vas faire le dépistage. Tu constates que tu as le coronavirus. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'un élément qui va te permettre de respirer. Les respirateurs. Vous savez combien il y a au Cameroun à l'heure que je vous parle? Je vous le dis chaque jour sur ma page. Il y a 50 respirateurs au Cameroun. Il y a 50 respirateurs au Cameroun. 50. Donc 10 fois 5. 50 respirateurs. Donc, dans 360 arrondissements du Cameroun, je ne dis pas 36, je dis 360 arrondissements. 360 arrondissements du Cameroun. Paul Biya, du fond de sa tombe, a décidé d'envoyer, de procurer 50 respirateurs au Cameroun. Ça va sauver qui? Si vous tous vous confirmez que vous avez le coronavirus, on va soigner qui? On va soigner qui? Donc ça, c'est pour faire barrière à la procédure du professeur, à ce que le professeur Maurice Kamto a lancé. Vous voyez que c'est une blague en ciel ouvert. Je crois que Etoudji devient officiellement un théâtre national. Comme je le disais dernièrement, je l'ai annoncé sur ma page, ils ont fermé tous les cinémas du Cameroun pour faire d'Etoudji le théâtre national. Donc voilà le théâtre que vous voyez. 50 respirateurs pour 25 millions d'habitants au Cameroun. 360 arrondissements. 360 arrondissements, il vous envoie 40 000 seaux pour laver les mains. Oui, 40 seaux pour laver les mains. C'est ça qui va tuer le coronavirus. Ce n'est pas le vampirisme, ça. Est-ce qu'on peut être plus vampire que ça? Ou des gars qui peuvent sucer le sang des Camerounais demain. Donc, on va continuer dans la bienfaisance, hein, du sardinat en chef. Hein, du sardinat en chef. Ce don spécial est une preuve de plus de la générosité légendaire. Mon Dieu, ça c'est... J'ai dit, je vais mettre ça sur ma page officielle que vous partiez lire. Je vous dis, ce n'est pas du... On dit comment encore chez les francophiles là. Ce n'est pas du brique et du bois. Vous voyez le timbre, non? Vous voyez le timbre de... Vous voyez bien que c'est... Voilà ça. Ça vient de tout dit.
J'ai dit tout et tout dit est devenu un théâtre. Et tout dit est devenu un théâtre. 360 arrondissements. On vous donne 40 000 sous pour laver les mains alors que le corona tue les gens dehors. On vous donne quelques masques pour porter. 15 000 trucs pour laver le savon. On vous donne le savon, les cartons de savon pour laver les habits. On leur a dit que les habits sont sales. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont lavé les habits des Camerounais. Voilà à quel niveau le vampirisme camerounais est devenu. Voilà un peuple. Voilà un peuple camerounais. Et l'expérience a démontré que jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire, peut-être mon confrère et ami Rémi Ngonon ne vous a pas encore dit. Je vais l'inciter à vous le dire. Je vais l'inciter à vous le dire. Paul Biya, c'est un menteur. C'était un menteur. Écoutez-moi bien. Paul Biya, c'était un menteur. Il y a une vidéo qui va tourner bientôt. On va vous dire que Paul Biya serait au Gabon, il serait au Congo. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Arrêtez d'écouter ça. À l'heure où je vous parle, on m'a appelé du Cameroun pour me confirmer que depuis des jours et des jours, les militaires de Yaoundé ne dorment pas. Le Sémil ne dort pas. La gendarmerie ne dort pas. Le GSO ne dort pas. Ils patrouillent tout le temps à Yaoundé. Mais pourquoi ils font les patrouilles donc si Paul Biya est en vie? Je dis ici à ceux qui sont au Cameroun, qui sont encore crédules, qui sont encore incrédules, qui ne comprennent pas encore la portée du message que nous donnons. Si Paul Biya vivait, pourquoi est-ce que tout Yaoundé est militarisé aujourd'hui? Parce qu'ils savent que si le peuple se lève, ils vont partir à l'Assemblée nationale, ils vont voir que c'est vide. Parce qu'ils savent que si le peuple se lève, ils vont comprendre que Atangana Clément a écrit sa démission. Il a envoyé sa démission au niveau du cabinet civil. Gongo a sauté, il a perdu sa perruque. Bon, il n'a pas de cheveux. Gongo a sauté, il est tombé des nues. Il a vu le nom d'Atangana Clément qui signait une démission. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Il a envoyé des gens directement d'aller immobiliser Atangana Clément. C'est comme ça qu'on a encerclé sa maison, on a bloqué sa maison pour l'empêcher de sortir et pour que ça reste un mystère. Mais comme l'information était déjà dehors, il ne pouvait plus rien faire. Il commence à faire entrer donc Joseph Ouna par la petite porte. Je vous dis que même Paul Biya là, ce n'est pas son nom. Même Paul Biya, ce que vous dites tout le temps, Paul Biya, ce n'est pas son nom. Le nom que sa mère lui a donné, c'est un autre nom. Si vous connaissez, demandez à Régis pour Emingon, lui peut vous dire. Demandez aux journalistes qui connaissent l'histoire du Cameroun, ils vont vous dire. Il est dans l'usurpation même d'identité. Ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné. Je vais vous donner seulement un créneau pour que vous compreniez pourquoi il a changé son nom. On ne l'appelait pas Mademoiselle à l'école pour rien. Parfois, à l'école, on traduit le nom seulement que tu as, que tes parents t'ont donné. Je dis que parfois, à l'école, on traduit seulement le nom que tes parents t'ont donné. Son nom n'était pas Biya. Donc, voilà un gouvernement qui passe sa vie à taper sur la tête des Camerounais, molester des Camerounais. Où il y a un Camerounais qui réussit. Un pauvre gars qui n'a même pas 5... Bon, pardon, que Dieu m'excuse. Ce n'est pas ma ligne de pensée, ça. Vraiment, je... J'ai failli dire un truc qui n'était pas agréable. Donc, je m'évite de dire ce genre de choses-là. Mais vous voyez quelqu'un, un ami, un concitoyen que nous aimons bien. Hein, je vais parler là comme quelqu'un qui était au séminaire. Un concitoyen que nous aimons bien, un frère camerounais qui réussit à dire qu'il va violer son ami. Il est en train de vous dire des méthodes par lesquelles il travaille avec le gouvernement. Il est en train de vous dire les méthodes par lesquelles il travaille, avec lesquelles il travaille, il complote avec le gouvernement. Donc, mes frères, le syndrome donc du chien battu, c'est quoi? Revenons donc maintenant dans la science. Ça va être un peu scientifique ce que je vais faire là maintenant. Le chien battu, c'est une métaphore bien entendu. Il y a un syndrome qui est plus connu du monde entier, c'est le syndrome de Stockholm. C'est un syndrome qui veut que
Prenez l'exemple de quelqu'un qui a le cancer. Vous avez le cancer. On vous habitue chaque matin à prendre des tonnes de médicaments. À midi, à prendre des tonnes de médicaments. Et le soir, à prendre des tonnes de médicaments. Vous vous y habituez. Le week-end, vous allez faire des vous allez vous soumettre par exemple à des machines qui vont essayer de vous faire des scanners, essayer d'attaquer l'agressivité du cancer par des méthodes scientifiques, par des méthodes mécaniques aussi avec des ultra-V. Vous êtes habitué à ce rythme-là. Vous êtes habitué à un rythme. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'allégorie avec le cancer, faites un exemple par exemple, et j'ai quelle redondance, faites un exemple avec quelqu'un qui est habitué à une femme, il est habitué à la vie en couple, et du jour au lendemain, sa femme décède. Il a du mal à sortir de cette ancienne vie-là et de s'accommoder à un nouveau mode de vie. C'est ce qu'on appelle en psychologie le grand changement et le petit changement. Le grand changement, c'est le changement qui... Bon, commençons par le petit changement pour que ce soit plus facile à comprendre. Le petit changement, c'est d'enlever sa puce du téléphone-ci, de balancer le téléphone-ci et d'acheter un nouveau téléphone qui a une autre marque que ce téléphone. C'est ça qu'on appelle un petit changement. C'est un changement d'un point, d'un statut A à un statut B. Le petit changement, c'est de dire aujourd'hui, je ne vais arrêter de vendre... sur la place à côté de Mamie Ton, je vais vendre à côté de Papa Atangana. Voilà un petit changement, c'est un déplacement, un petit truc. Le petit changement, c'est de décider de me coiffer aujourd'hui un peu plus court que d'habitude. C'est de dire, à partir d'aujourd'hui, Stevie n'aura plus les cheveux comme un fou. Stevie aura des cheveux bien taillés, là, comme les noirs américains, avec les traits comme ça. Il va porter une veste de cravate que tout le monde va dire. Oui, Stevie a fait un changement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit le changement, c'est aujourd'hui. C'est un petit changement. Alors le grand changement, c'est ce dont le Cameroun a peur. Le grand changement, c'est ce dont le Cameroun a peur. Je ne dis pas c'est ce dont le régime Biya a peur. Je dis c'est ce dont le Cameroun a peur. Pourquoi le Cameroun a peur du grand changement? Parce que le grand changement est frais. Le grand changement vous impose une façon de vivre, une façon de revoir le monde, une façon de voir le monde. C'est une mise en cause totale de ce que vous faites. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, je vais vous expliquer le grand changement du point de vue de Paul Biya, ce que j'appelle le syndrome du chien battu du côté de Paul Biya. C'est que il y avait un débat avant qui était Biya est mort, Biya n'est pas mort, Biya est mort, Biya n'est pas mort. Mais je vous dis à l'heure où je vous parle, et je dis merci encore à Blandine parce que c'est elle qui m'a inspiré cette conclusion-là que je vais apporter tout à l'heure. C'est que, écoutez-moi bien, même si Biya n'était pas mort, il est obligé de mourir. Est-ce que vous m'écoutez? Même si Biya n'était pas mort, il est obligé de mourir. Parce qu'il a voulu peut-être jouer les héros, les Superman, en se cachant pour guetter, voir quand est-ce que la fille qu'il aime va être agressée par un gars qui l'a payé pour venir jouer les héros. Bam, bam, je suis là, non. Même si Biya était en vie, il est obligé de mourir. Merci à toi, Blandine. Il est obligé de mourir. Parce que même si Biya, hein, même si Biya descend du ciel, vous comprenez, même si le ciel s'ouvre et Biya descend du ventre du ciel, comme la prophétie, vous connaissez la prophétie camerounaise, non? La prophétie camerounaise qui dit que le destin du Cameroun va changer par quelqu'un qui vient du ventre du ciel, vous connaissez, non? Même si le ciel là s'ouvre, non, Biya descend du ciel comme ça là. Il est mort. Ceux qui ont voulu faire un rattrapage, ceux qui ont voulu faire un crochet à la Ronaldinho, un baptême à la Ronaldo, à la Messi, en se rattrapant avec des tergiversements de locution verbale, en disant qu'ils ont parlé d'une quelconque mort politique ou d'une mort scientifique de Paul Biya, on s'en tape les reins. Moi personnellement, je m'en bats les reins comme Kémy Séba le dit parfois. Paul Biya est mort depuis le jour que les Camerounais ont compris que leur destin était entre leurs propres mains. Voilà la mort de Paul Biya. Maintenant, la mort de Paul Biya, réelle, en temps et en heure où je vous parle, c'est qu'il est même déjà condamné de mourir. Donc, il est mort,
Même s'il pouvait ressusciter, il ne pourra plus ressusciter parce qu'il est condamné à mourir et à remourir et à remourir. Je sais que c'est philosophique de le dire, mais ceux qui comprennent la pertinence de ce que je dis vont percevoir le message. Parce que vivre, c'est apprendre à mourir. C'est vrai que c'est philosophique, mais vivre, c'est apprendre à mourir. Donc Paul Biya, même s'il veut vivre, il est obligé d'apprendre à mourir. Donc, pour le dire en langage simple, je vais prendre les propos d'un Camerounais qui s'exprime simplement. Je vais le dire en langage d'un Camerounais qui s'exprime simplement. Il doit laisser. Il doit laisser. Voilà une partie de ce qu'on appelle le grand changement. Apprendre à laisser prise. Paul Biya a perdu. Paul Biya n'est plus. Ngongo maintenant et sa troupe. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des clans au sein de la présidence. Je vous ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Pour ceux qui veulent avoir des éléments vraiment plus expliqués là-dessus, allez sur ma page YouTube. Allez vous abonner là-bas. Vous allez voir les éléments que j'explique, élément par élément, pourquoi est-ce qu'il y a des clans au sein de la présidence de la République. Je vous explique aussi dans certaines vidéos là-bas, pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains journalistes qui sont tellement ouverts. Je ne parle pas de mes amis qui se battent contre le régime satrapique. Mais je vous explique aussi là-bas pourquoi est-ce que vous aurez l'impression, et c'est la même chose dans tous les pays, hein, il n'y a pas un journalisme objectif. La plupart des journalistes que vous voyez qui ont toujours des scoops, des grandes informations, sont des journalistes qui travaillent pour un camp. Parce que le meilleur moyen politique de faire tomber un politicien, c'est de donner l'information à un journaliste pour qu'il la rende publique. Et donc, le journaliste devient ce qu'on appelle la pierre d'achoppement d'un adversaire politique. Si le professeur Kamto a une information pour faire tomber Paul Biya, il donne à un journaliste. Le journaliste met dehors, Paul Biya est discrédité. Pareil pour Paul Biya. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. C'est le béaba de la politique. Donc, tout le monde devrait le savoir. C'est expliqué dans mes vidéos, dans mon YouTube. Allez vous y abonner, vous allez voir toutes les vidéos. C'est depuis 2015 que la chaîne existe. Donc, il y a beaucoup de contenu. Alors, je dis ceci. Le syndrome du chien battu, donc, c'est la conséquence du fait que les gens ne veulent pas voir leur monde changer. Le fait que les gens ne soient pas capables d'aborder le grand changement. C'est ce qui se passe avec Ngongo. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'amis journalistes. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'amis activistes. Parce que les gens ont peur du grand changement. Les gens comme les patriotes que nous avons aujourd'hui sont des personnes qui hier étaient avec nous dans cette lutte pour le grand changement. Mais parce que face à la responsabilité qu'impose le grand changement, ils n'ont pas pu faire taire leurs égos. Ils n'ont pas pu se confronter comme des hommes assis, qui sont dignes de foi et de loi et d'esprit. Ils ont donc tourné le dos, ils ont refusé le changement. C'est exactement comme le jeûne. Quand vous décidez de faire un jeûne, c'est peut-être un changement semi-grand, parce qu'il est à la fois dans le petit changement et dans le grand changement. C'est une décision courte, mais aussi c'est une décision qu'il faut maintenir pendant une longue période. Donc ça devient un changement qui s'intègre, qui devient un changement entre les deux formes de changement, le petit et le grand changement. Donc, quand vous voyez ça, il y a des messieurs qui disent que non, moi, je vais commencer à faire le jeûne. Je vais commencer à faire le jeûne. Il fait le jeûne aujourd'hui. La femme-là vous dit que non, moi, vraiment, regardez la qualité des fesses que j'ai. Si mes seins sont devant, mes fesses sont derrière, non, c'est trop. Il faut que je fasse le régime. Deux jours, elle se met, elle sort là, elle commence à courir, elle commence à courir. Elle te dit, tu fais comment, voisine? Tu ne cours pas avec moi, faisons le régime, non, que notre corps se diminue aussi, qu'on soit vendable sur le marché. La même fille qui est partie faire le sport 2 minutes là, quand elle revient, c'est une boule de coquille qu'elle ouvre devant elle pour manger, pour récupérer encore tout ce qu'elle a dépensé. Demain, elle n'est même plus prête à faire sport. Voilà des gens qui ne peuvent pas faire le grand changement. C'est ça la confrontation, parce que quand vous décidez de faire le jeûne, c'est où tout le monde vient parfois vous proposer et à manger, et à boire, et les shawarma et les caviar, parce que c'est ça, il faut avoir un esprit fort. C'est la même chose donc que ces personnes qui ne sont pas capables de se battre pour des convictions et laisser passer l'argent et garder leur intégrité psychologique. C'est ça la peur du grand changement. Et maintenant, puisque les chiens battus ont une spécialité, c'est que quand ils sont battus tout le temps, Paul Biya les fouette.
dans le direct du premier Ngongo, il vous expliquait qu'eux-mêmes ne voient même pas Paul Biya. Ngongo écrase celui qui est en bas. Celui qui est en bas de Ngongo écrase celui qui est en bas de lui. Celui qui est en bas de lui écrase celui qui est en bas de lui. Celui qui est en bas de lui écrase l'autre qui est en bas de lui. C'est comme ça qu'ils sont. Imaginez-vous, pour ceux qui ont un cerveau qui retient en image, imaginez-vous une branche d'arbre triangulaire. En haut, il y a un oiseau. En haut de l'arbre, il y a un oiseau. En bas, il y a des oiseaux. En bas, il y a des oiseaux. En bas, il y a des oiseaux. En haut, là, c'est Paul Biya. Il chie sur les Ngongo. Les Ngongo chient sur les gens femmes d'Ongo. Les gens femmes d'Ongo chient sur les autres en bas. Les autres en bas chient sur les visions caca. Les visions caca chient sur le peuple. Vous voyez un peu l'image? Mais ces oiseaux sur lesquels on chie, ces oiseaux sur lesquels on chie chaque jour, au lieu de quitter de la cage là, d'aller au sommet là, faire quitter celui-là, ou bien aller sur un autre arbre, ou bien se positionner différemment, décide plutôt d'attaquer celui qui est en haut. Pourtant, celui qui est en haut lui-même subit les cacas de celui qui est plus haut que lui. Celui qui est plus haut que lui, au lieu de s'attaquer à celui qui est au sommet, à l'épicentre, va venir attaquer celui qui est à côté de lui. Pourtant, ce n'est pas forcément la méthode adéquate. Il faut d'abord faire un groupe, aller tous attaquer celui qui est long au sommet pour changer tout le système. Là, on fait des cases carrées comme ça, ou bien on fait une case horizontale où tout le monde est à l'aise. C'est ça le syndrome du chien battu. Le syndrome du chien battu, c'est le Camerounais ou la Camerounaise hein, qui, dans un village, décide que vraiment, les gens disent que la route, que là où la route passe, le développement suit. Vous avez certainement suivi cette maxime-là quelque part. Là où la route passe, le développement suit. Les gars-là, les vampires, ils préfèrent aller faire leur sorcellerie, pratiquer leur sorcellerie sur la route pour que la route ne passe pas. Parce que si la route là passe, le petit, là, l'enfant de mamie Jaka, l'enfant de mamie maman Chantal, l'enfant de maman Tonta, l'enfant de monsieur Atangana, l'enfant de... Non, c'est lui qu'on va voir. Donc au lieu que c'est lui, par lui que cette route passe, mieux il n'y a pas de route. C'est ça qu'on appelle le syndrome du chien battu. C'est ça qu'on appelle le symbole du chien battu. Au lieu de s'attaquer au problème, on s'attaque à la personne qui apporte la solution. Le professeur Kamto aujourd'hui, dans le contexte du Cameroun, arrive comme celui qui apporte une solution au problème. Ce qu'on appelle les écans, si je n'aime pas trop dire ce genre de choses, tous ceux qui sont contre les Bamlékés, aucun d'entre eux, il dit aucun d'entre eux, n'a un seul argument, il dit un seul, contre la politique que propose le professeur Maurice Kamto. Aucun d'entre eux, même pas un seul, n'a un argument pour dire que le professeur Kamto va faire un mauvais président. Je vous ai fait d'ailleurs écouter Paul Eric King aussi au début. Aucun d'entre eux n'a un argument pour démontrer aux Camerounais que le professeur Kamto va être un dictateur. Aucun d'entre eux ne peut remettre en cause. Aucun d'entre eux ne peut remettre en cause la capacité intellectuelle du professeur Maurice Kamto. Je dis aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne peut remettre en cause l'intelligence, la sagacité, la sapience, comme on dit souvent, du professeur Maurice Kamto. Mais ils sont tous d'accord sur le fait que non, il ne doit pas être président. Mais pourquoi il ne peut pas être président? C'est parce qu'il est Bamlékés, mes frères. C'est parce qu'il est Bamlékés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'il est Bamlékés. C'est tout simplement parce qu'il est Bamlékés. Alors, on a quelqu'un qui propose un projet politique qui est propre. Moi, j'ai lu le projet politique du professeur Kamto, les projets, avec les chantiers, les 5 grands chantiers qu'il énumérait. J'ai lu les propositions qu'il fait en ce qui concerne les langues au Cameroun. Tout le monde est d'accord. Vous avez un président qui vous dit que c'est une honte, que dans vos tracts de naissance, on voit que tu es né à Bafang, tu es de Bafang, tu es de Ngemendouka, tu es de Toudi. Bonsoir à toi, Farrakhan. Il vous le dit, tous les Camerounais sont d'accord. Vous êtes d'accord avec le professeur Kamto que ce n'est pas normal que Paul Biya disparaisse pendant que le Cameroun est en train de mourir.
Voilà. Oh, j'aime des gens intelligemment intelligents comme ça. C'est quoi? C'est ML Denker. Waouh. Il dit Stevie. Vraiment, pardon. La prochaine fois, écris Stevie avec deux Y. J'ai quand même pris du mal à trouver ce pseudonyme. Pardon, ne me fais pas croire que je suis fou. Quel projet social le professeur Maurice Kamto a fait avant la création de son parti politique? La réponse dans ta question, mon cher Fred Denken. Denker. C'est que Denker, c'est un mot qui vient, ça ressemble même pas à de l'allemand, ça veut dire penseur, le penseur. J'ose croire que si tu portes le nom de penseur, tu dois penser quand même que le parti politique a comment dire, pour raison fondamentale, la quête du pouvoir politique. Et la quête du pouvoir politique se fait d'abord avec la mise sur pied d'un projet politique. Donc, si tu crées un projet politique avant de créer un parti politique, je crois qu'il y a un problème. Hein? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pas mauvais, mais il y a un problème parce que le parti politique, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour suivre en fait une ligne qui vont se fixer pour atteindre la magistrature suprême. Mais si toi seul tu fais ça veut dire que tu es un dictateur champion. C'est Paul Biya qui fait ça. En 72, Paul Biya avait déjà écrit ce qu'il appelait ce que vous avez réchauffé, réchauffé, réchauffé le communautarisme. Comment il appelle ça quoi? Le libéralisme communautaire. Il a seulement changé les noms toutes les années. Toutes les 5 années, toutes les 7 années, il a changé le nom. Il a fait ça depuis 72. Avant même que le parti de Ahidjo ne devienne le parti RDPC que vous avez aujourd'hui, il avait déjà écrit ces bêtises-là. Aujourd'hui, il avait écrit ces bêtises. C'est la chose qu'il a pu écrire dans sa vie là-bas. C'est ce qu'il a pu écrire. Donc, contrairement au MSC, le professeur Kamto a fait partie d'un groupe de personnes qui ont pensé mettre le MSC sur pied. Je ne dis pas qu'il l'a mis, il a fait partie d'un groupe qui ont mis le MSC sur pied. À l'intérieur du MSC, il y a des discussions, il y a des débats qui permettent d'avoir des représentants du MSC. Je vous rappelle que avant même que le 7 octobre 2018 n'arrive, le professeur Compton n'était pas confirmé comme étant celui qui allait représenter le MSC. Il y a eu des discussions et il a été porté dans la tête du MSC pour représenter le MSC, donc les idées politiques du MSC. Donc, mon frère, ta question, c'est un peu compliqué là. J'espère que toi, tu as compris le mal qu'il y a là-dedans. Donc, le professeur Maurice Kamto a un projet clair. Si son projet est né avant ou après le MRC, on s'en bat les reins. Est-ce que ce projet répond aux attentes des Camerounais? Oui. Est-ce que le fait que le professeur Maurice Kamto dise que dans le gouvernement, il n'y a que des voleurs? Oui. Est-ce que le professeur Maurice Kamto dit vrai que dans le gouvernement camerounais, il y a un président qui a volé les élections? Oui, parce que les images, vous les avez regardées. Les audios, vous les avez entendus. Les vidéos, vous les avez regardées. Vous savez qu'il y a eu bourrage d'élections au Cameroun. Je ne veux même pas aller plus loin. Dans un pays où on a un président qui gagne avec plus de 100%, le simple fait qu'on dépasse les 100% démontre que on doit recompter les voix parce qu'il y a eu fraude électorale. Donc, logiquement, en tant que Denker, hein, ne m'oblige pas à parler en allemand. Hein, als Denker musst du schon wissen, dass wenn man in ein Land mehr als 100% Stimmen hat, wenn ein Wahl, muss man automatisch die Wahl wiederholen. Man muss wieder zählen. Es ist einfach die Norm. So muss es sein. Donc, comme je t'ai dit, mon frère, je ne sais pas si tu parles allemand, j'ai expliqué, je fais pour que tu comprennes mieux. Si tu t'es habitué plus à l'allemand, que tu comprennes encore mieux à la langue que tu parles chaque jour, que Paul Biya a volé les élections du Cameroun. Et comme il a volé les élections, il doit donc gérer le Cameroun. Il doit sauf que gérer. Il y a coronavirus, il doit parler. Il doit faire comme le président. Il doit faire comme le président du Tchad. Il doit faire comme le président du Sénégal. Il doit sortir, rencontrer sa population, trouver des méthodes. Donc au Cameroun, on n'a plus le temps à perdre avec ce genre d'arguments-là. Le professeur Kamto, yeah, c'est bon. Et c'est ce que vient du Deutsch Sprich. Donc c'est bon, vous voyez donc que le président du MSC, Maurice Kamto, a clairement démontré que toutes les opinions qu'il défend aujourd'hui sont des opinions vraies. Aucun Camerounais n'est capable aujourd'hui de nier la vacance du pouvoir. C'est pour ça que Yaoundé est militarisé. Allez au quartier, allez à Oja, allez à ils appellent ça quoi, au Lézoa. L'ambassade de France au Cameroun est totalement militarisée aujourd'hui. Au Lézoa est totalement militarisée. Le quartier général, ce n'est plus le quartier général au niveau de Mélène, à côté de lycée Leclerc, c'est maintenant étendu dans tous les 4 coins de Yaoundé. Yaoundé 2e est militarisé, Yaoundé 4e est militarisé, mais ils ont peur de quoi si Paul Biya est en vie? C'est parce qu'ils ont peur que le professeur Kamto demande aux Camerounais de sortir vraiment et de prendre leur souveraineté. C'est de ça qu'ils ont peur. Et c'est ça le symbole du chien battu. C'est ça le syndrome du chien battu. Parce qu'ils ont peur
Ils ont peur que le professeur Maurice Kamto les batte. Quand vous voyez un chien qui est battu, il vient vers vous avec la queue entre les jambes. Vous avez vu Grégoire Onan lors de l'enterrement de maître Swap, non? Vous vous rappelez? Il avait les deux mains comme ça. Il avait les deux mains comme ça. Comme un bandit qu'on vient d'attraper avec les mains dans le sac. Il était comme ça, à la tête baissée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a honte. Parce qu'il a honte. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est la matérialisation, c'est la transposition de la névrose politique qu'il habite. Parce que ce monsieur, Grégoire Onan, c'est un monsieur qui doit être soumis à la juridiction aux prisons camerounaises. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, un Camerounais a fait un plongeon du côté du Hilton. Quand je parle de Grégoire Onan, je parle toujours ça. N'oubliez pas qu'un Camerounais a fait un plongeon du côté du Hilton. N'oubliez pas. J'étais encore Camerounais à l'époque, j'étais déjà journaliste. N'oubliez pas ça. Donc, mes frères, les gars du gouvernement qui sont en train de se battre contre le professeur Maurice Kamto croient se battre à des fins utiles, mais ils ne sont qu'en train de faire durer leur agonie. Ils ne sont qu'en train de faire durer leur souffrance. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui souffrons, c'est eux qui souffrent. Moi, je suis en Europe, regardez, je peux me donner le luxe de me prendre un verre de vin, de me prendre du champagne. Ça ne va rien changer dans ma vie. Je paye des taxes qui permettent quand même que je mange bien. Je paye des taxes qui font que si je tombe malade là, j'appelle juste trois, je compose juste trois chiffres sur mon téléphone. On vient jusqu'à ma maison, même si la porte est fermée, on va casser la porte pour me prendre à l'intérieur, m'amener à l'hôpital, me soigner. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est parce que ces messieurs, je vais vous dire pourquoi, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que le pouvoir exécutif est mort. Je vous ai dit que même si Paul Biya n'était pas mort, il est vrai. Donc il est condamné à mourir parce que vivre, ça prend aussi à mourir. Il est condamné à mourir. Maintenant, hormis ça, le pouvoir exécutif est mort. Le pouvoir législatif, le monsieur que vous appelez Kavaïgué Dibril, il est atteint de coronavirus depuis. Vous savez qu'il n'est plus capable de gérer le Parlement. Il est vacant. Donc le pouvoir législatif est tombé. N'y a différent dit plus ou la Chambre ou le Sénat. Lui, il est totalement out. Même se lever le dépasse déjà. Le pouvoir judiciaire, vous avez Clément Atangana qui a envoyé sa démission. Ngongo a dit que pardon, allez m'immobiliser le monsieur là. Donc lui, on ne sait même plus ce qui se passe avec lui. Quelqu'un qui a démissionné, on n'a pas de remplaçant depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Dieu seul sait. Voilà donc les trois pouvoirs du Cameroun qui sont. Donc, vous avez là les trois pouvoirs qui gèrent un État qui sont totalement déficitaires. Qui sont totalement déficitaires, qui sont out, comme on dit en anglais. They are just out now. Nothing to do. Nothing to do. The only thing you can do is just to put the rest out. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre le reste dehors. Les Jacques Famdongo, ministre de l'éducation supérieure, que Dieu épargne mon peuple camerounais. Je vous dis, si même mon grand frère, quand je vais à Paris, parfois je rencontre mon frère J.P. Mingon, on cause. Je vous dis, si J.P. vous dit qu'il a lu un bord, attendez, ici, je vais vous montrer un peu pour que vous compreniez. Vous savez que la vérité, c'est quelque chose qu'on ne cache pas. La vérité, elle est petite. Le mensonge, voici un document, vous voyez ce qui est écrit là. Pour ceux qui lisent, c'est en l'envers peut-être, mais tandis que j'inverse la caméra, que vous voyez que la sorcellerie à la Biala, il n'y a que le peuple camerounais qui peut imbéciliser, qui peut mentir de toi. J'inverse la caméra. Vous voyez, c'est un manuel qui apprend à faire du journalisme. Si vous voyez un seul écrit par un Camerounais au Cameroun, avec lequel on apprend au Cameroun, venez dire que Stevie, tu es un sorcier. Vous savez quoi? La meilleure, c'est quoi? C'est que des gens comme Jacques Famdongo ont été journalistes. Les gens comme Jacques Famdongo ont fait des écoles. Les gens comme les Charles Ndongo. Les gens comme les Charles Ndongo ont fait l'école de journalisme au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont laissé aux Camerounais? C'est ça le syndrome du chien battu. Il est battu, il peut faire battre les autres. Un chien battu mord les autres chiens. Un chien battu attaque tout le monde, il devient agressif pour rien. Il se sent toujours en victimisation, toujours prêt à tuer, toujours prêt à faire du mal.
Tu veux même le caresser un peu là. Non, non, non. Il est toujours prêt à faire du mal. C'est ça le syndrome du chien battu. Là où il faut être triste, il est content. Là où il faut être content, il est triste. Il est déphasé sur le plan émotionnel. C'est ça le chien battu. Je ne sais pas si on devrait avoir pitié de ces gens. Parce que j'ai l'impression que ce que nous faisons, que nous appelons la révolution, c'est en quelque sorte une séance de thérapie qu'on est en train d'offrir à ce gouvernement. Nous sommes en train de thérapiser, on est en train de faire une thérapie de masse au Cameroun. C'est nous qui sommes les psychologues, les psychiatres du Cameroun. Parce que le Cameroun aujourd'hui, ça va être un espace de dégivré mental à ciel ouvert. De névroser à ciel ouvert. Ce que nous faisons, que nous appelons révolution, c'est en fait une psychanalyse de groupe, de masse, au niveau national que nous faisons. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct le syndrome du chien battu. C'est ça, le syndrome du chien battu. Aujourd'hui, ils ont tous honte. Ils ont peur de revenir vers le professeur Kamto, parce qu'ils savent que c'est lui qui a raison. Même si vous battez votre chien chaque jour, je dis bien chaque jour, le jour que vous allez prendre la liesse, la corde là, vous allez donner la corde là à un autre maître pour qu'il amène le chien va refuser de partir avec lui. Si on met le chien battu, vous le battez même là, on met un autre monsieur là-bas qui lui donne à manger, qui l'entretient bien une fois par semaine. Le chien va laisser le monsieur, il va venir vers vous. Il va aller vers le monsieur manger, et il va revenir vers vous dormir pour que vous continuiez de le battre. C'est ça le syndrome du chien battu. Le syndrome du chien battu, c'est des jeunes frères que nous avons au Cameroun, par exemple, qui se battent pas mal dans la communication. Je vois des jeunes frères au Cameroun qui travaillent bien dans l'image. Moi, j'ai vu un Camerounais. Dernièrement, j'ai eu la possibilité de le rencontrer en Belgique, mais sauf que je ne suis pas parti. Il s'appelle Steve Fa. Et depuis un moment, j'essaie d'éviter certains amis, certaines personnes, certains contacts. Pas parce qu'ils sont méchants. Non, il faut pas que vous. Pas parce qu'ils sont ennemis. Pas parce qu'il est méchant. Non, pas parce qu'il a quelque chose de mauvais. Non, non, non. C'est parce que moi, c'est ma ligne éditoriale, c'est ma politique à moi. Je reste seul dans mon coin. Je me contente de ce que je pense. Je me contente de ce que j'ai financièrement. J'évite de prendre plus loin que ce que je peux avoir. Ceux qui comprennent, comprennent ce que je veux dire. Mais quelqu'un qui fait le montage vidéo, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'assembler plusieurs images, détecte en une seconde. En une seconde, il peut détecter une fausse vidéo. Et je déplore ici le fait que Steve Fa n'ait pas osé dire que la vidéo « On va pas bien marcher » est une fausse vidéo. Je déplore ici le fait que Steve Fa n'ait pas pu dire aux Camerounais que c'est une fausse vidéo. Parce que Steve Fa fait le montage de vidéo. N'importe qui, même un débutant, il ne faut pas être comme nous. Il ne faut pas être comme des experts d'Hollywood qui sont des professionnels dans l'image pour comprendre que c'est une fausse vidéo. Je vous ai démontré ici qu'il n'y a qu'à prendre votre clé USB, mettre la vidéo, la pseudo-vidéo là, aller sur un grand écran, mettez la vidéo, mettez le ralenti à 36 ou à 60, à 66, à 32 ou à 16, dépendamment de la largeur ou le nombre de pouces de votre télévision. Regardez cette vidéo en ralenti. Vous allez voir que la tête de Paul Biya joue le ping-pong. Ça disparaît, ça apparaît, c'est la main qui disparaît, c'est le front qui disparaît, c'est la fleur qui apparaît dans la tête, mais c'est flagrant. C'est flagrant. Et moi, je déplore le fait que ces messieurs, après, ils vont se plaindre que nous, on boycotte les artistes. Les messieurs qui font les réalisations au Cameroun, ceux qui font les clips vidéo, ils savent de quoi il est question. Quand ils regardent un clip, ils savent quand même si c'est un clip qui est normal ou pas. Donc, pourquoi vous laissez qu'on imbécilise le peuple camerounais? C'est ça le syndrome du chien battu. C'est ça le syndrome du chien battu. Et nous, les Camerounais, au lieu de suivre sur ma page Facebook, par exemple, où j'explique aux gens comment est-ce que vous pouvez faire vous-même pour faire des montages comme ce que le gouvernement camerounais a essayé de faire. Parce où j'explique aux Camerounais comment vous pouvez faire A plus B pour faire
pour découvrir si c'est une vidéo fake. Les Camerounais ne partent pas s'abonner. Il faut que je fasse un live comme ça et que je vous dise, gars, allez vous abonner à ma page YouTube pour que les gens partent s'abonner. Mais dans les pages des gens comme ça, ils vont aller s'abonner en masse. Si je commençais aujourd'hui à dire vraiment le professeur Kamto, non, ça c'est n'importe quoi. Si je commençais à dire que le professeur Kamto c'est de la merde, vous alliez venir vous abonner sur ma page tant que je ne vous invite même. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez ce que j'appelle le syndrome du chien battu? Vous recourez toujours vers ceux-là qui vous oppriment. Vous courez toujours vers ceux-là qui vous font du mal. C'est à croire que vous êtes des sadomasochistes qui aimez quand on vous fouette chaque jour, quand on vous fait mal, quand on vous tord la jambe, quand on vous tord le cou, quand on tord votre main. La page YouTube de Serge Anongo a des abonnés, plus que la page YouTube, par exemple, du BFR. Est-ce que c'est sérieux? La page YouTube de tous ceux-là que vous critiquez aujourd'hui, en plus d'abonnés, c'est vous qui partez vous y abonner, ils ne vous demandent pas de vous y abonner, que les pages de ceux qui vous donnent la vraie information. Mais c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? C'est pour dire que c'est ça que j'appelle le syndrome du chien battu. Les Camerounais aiment quand ils sont opprimés, ils se languissent de cette souffrance-là. Donc, je vais finir ce live en disant, pour ceux-là qui veulent vraiment un changement, le changement c'est d'abord de changer son état d'âme. Commencez par le petit changement avant de voir le grand changement. Le petit changement, c'est de dire, déjà une fois par jour, j'essaie de passer quelque chose de positif dans mon environnement. J'essaie de faire juste un seul truc de positif dans ma journée. Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de positif? Prenez votre téléphone, mettez le réveil. Aujourd'hui, c'est le 20 avril. Je dois faire quelque chose de positif aujourd'hui dans mon environnement. Je mets le réveil demain à 7 heures. Réveille-moi et je mets à côté petit mot. Fais quelque chose de positif la journée. Demain, je fais le même message. Vous allez vous rendre compte que en une semaine, vous allez faire une action positive lundi, une action positive mardi, une action positive mercredi, une positive jeudi, une vendredi, une samedi, une dimanche. Après, vous allez passer à l'étape supérieure. Ça va devenir un réflexe chez vous de vous lever, de penser « Oh, il faut que je fasse du bien dans mon environnement. » Ça va être automatique. C'est comme ça qu'on conditionne l'homme. C'est ça la psychanalyse que nous apportons au Cameroun. C'est ça le changement de mentalité que nous apportons au Cameroun. Et une fois que vous êtes dans ce genre de paradigme-là, vous ne pouvez plus voir des inepties, certaines choses, et laisser faire. C'est pour ça qu'on ne peut que se rabattre à essayer de vous expliquer ça pour que vous compreniez. Alors, voici en fait ce avec quoi je vais conclure ce direct. Je vais donc revenir donc sur l'intervention de ma chère sœur camerounaise qui a téléphoné au début pour parler de nos amis camerounais qui devaient normalement prendre certaines responsabilités en ce qui concerne leur progéniture. Elle a bien entendu essayé d'expliquer, elle a expliqué d'une façon claire que la plupart des gens que nous avons sur le dos aujourd'hui sont des Camerounais qui ont quand même des ressortissants, des familles, des parties, des filiations avec la partie ouest du Cameroun, avec le Bamileke pour être plus simple, que pour les Kingé, Kenyé, était avec un père ressortissant de l'ouest Cameroun. Pareil pour Owona, Joseph, pareil pour beaucoup d'autres personnes qui sont en train de vouloir avilir le peuple Bamileke, qu'ils avaient vraiment des mécontentements, ils étaient en colère par rapport à cette partie d'eux qu'ils ont toujours voulu rechasser, qu'ils ont voulu chasser, cette partie d'eux qu'ils ont voulu expier et qui revenait toujours au galop. Parce que quand on chasse le naturel, il revient parfois, il revient avec 5 galops, 5 galops, 5 bons vers nous. Donc, je crois que j'ai répondu à ma façon avec ce direct à ce que tu as voulu dire, parce que c'était en quelque sorte l'objectif de mon direct, de dire que si les gens aujourd'hui sont en colère contre nous, ce n'est pas parce que nous faisons forcément quelque chose de mal. C'est parce que ils sont malades. Et nous sommes en train de leur faire une psychanalyse. Nous sommes en train de vouloir les désombifions, comme vous aimez bien l'expression. Nous sommes en train de vouloir faire sortir en eux cette partie noire, cette partie obscure qui est restée cachée dans leur subconscient, dans leur inconscient. Nous partons au fond de leur non-moi. De leur, vous savez, il y a le soi, le sur-moi, tout va. Donc, il faut qu'on parte dans ces parties-là qui sont vraiment cachées. Sortir la partie noire, la partie obscure, la partie négative qu'ils ont eue de l'image du Bamileke, qu'on la sorte et qu'ils comprennent qu'en réalité, les relations qu'ils ont avec leur père n'est pas forcément la relation qu'ils ont avec tout le peuple Bamileke. Moi, je ne suis pas le père de Kenny. Je ne suis pas le père de Peck.
Il n'a aucune raison de me traiter comme il traiterait son père. Je n'ai aucun lien avec son père. Je ne connais même pas d'ailleurs son père. Pareil pour Calixte Béala. Je n'ai rien à voir avec son père. Le simple fait d'être américain ne me met pas dans une position où je dois subir les affres d'une femme qui a perdu son père. Pareil pour Joseph Owona. Vous voyez que ce sont des conséquences d'une action de personnes qui agissent comme des chiens battus. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc, mes frères, je vais ouvrir la ligne téléphonique. Le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone que vous connaissez qui est toujours là. Il va clignoter là au bas de votre écran. Donc, vous appelez le numéro de téléphone via WhatsApp pour ceux qui veulent bien. Vous pouvez appeler en ligne directe si aussi vous avez les moyens de le faire. Je vais attendre quelques minutes là, le temps que nous lancions ce direct. Le temps que nous recevions le premier appel. Je vais rappeler à tous les Camerounais qui sont connectés, n'oubliez pas, il y a un appel qui entre. N'oubliez pas qu'il y a une pétition qui est en ligne. Hier, on a fait près de 1000 signatures. Allez-y, abonnez-vous. Allez-y, n'hésitez pas à signer cette pétition-là. Alors, c'est parti. Allô? Lecture depuis iPhone de Stevie. Donnez-moi un instant. Allô? Hello? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, mais je ne vous suis pas bien. Le volume, s'il vous plaît. On te suit parfaitement bien. Je suis en ligne. Vas-y, on t'écoute. Ok, c'est Chasserie. J'appelle depuis Berlin. Ok, je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Comme j'ai dit, je lis les commentaires là. J'ai vu des gens écrire des choses du genre il n'y a pas que les Bamilékés qui ne reconnaissent pas leurs enfants ou qui n'assument pas leurs enfants. Il y a beaucoup d'autres groupes ethniques qui le font. Ce que je voudrais dire ici, c'est que moi, j'ai horreur des gens qui se comparent toujours au mal, quoi. Moi, j'essaye de me comparer à ceux qui font mieux. Donc, je ne prends pas pour base ceux qui ne... C'est pas bien de dire, écoute, il y a aussi d'autres personnes qui le font. Bon, si je l'ai dit, je n'ai pas dit que ce n'est que ça qui justifie leur démarche. Je n'ai pas dit ça. Ou bien, je ne suis pas entrée d'encourager ici le tribalisme par le fait que quelqu'un aurait abandonné son enfant. Mais quand on observe bien, on voit qu'il y a ce problème. Et là où je voudrais encore attirer l'attention des gens, c'est que beaucoup de gens abandonnent souvent les enfants parce que peut-être ils n'ont pas des moyens. Ou alors ils sont en couple et ils ont fait des enfants hors mariage. Ils ont honte d'assumer leur adultère et autres. Mais là, généralement, nous, quand nous observons, nous constatons que ces pères-là qui ne se sont pas vraiment bien occupés de leurs enfants étaient des pères qui étaient riches, hein, qui étaient aisés financièrement. Donc, ce n'est pas les finances qui manquaient. Je vais prendre ici encore pour illustration un des problèmes que moi j'ai vécu au Cameroun avant de venir en Europe. C'était le couple du fils Fotso, Yves-Michel Fotso. Yves-Michel Fotso qui avait fait, deux garçons avec Sylvie Ngiambazé, la femme qui faisait chercher le mot. Mais au moment du mariage, le papa Fotso s'était opposé que Yves-Michel Fotso devait d'abord prendre une femme de l'Ouest. Et la famille de Sylvie Ngiamba a refusé. C'est comme ça que Sylvie Ngiamba s'est retrouvée mise de côté. Vous voyez que des enfants, si jamais on explique ce problème à ces enfants-là, et que peut-être la maman n'est pas à la hauteur de dire aux enfants, écoutez, machin, ceci, cela, de faire un grand travail de psychologue. Ces enfants-là, demain, vous ne savez pas comment est-ce que cette frustration-là peut les amener à se comporter envers les gens de l'Ouest. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a ici, j'ai côtoyé quelques personnes ici qui ont demandé l'asile. Il y a un monsieur qui m'a dit que dans un bureau d'asile, il y avait une fille métisse. Et quand on doutait un peu de ton histoire, quand tu avais demandé l'asile et qu'on doutait un peu de ton histoire, on t'amenait vers la fille métisse là. Et la fille métisse, il paraît donc que la fille métisse avait un papa camerounais. Et ce papa l'avait abandonné. Donc cette fille-là était très furieuse envers les Camerounais. Dès que tu venais, elle disait que Paul Bianco fait quoi? Elle disait seulement qu'à faire refuser, elle mettait ton dossier de côté. Par rapport aux autres Africains qui étaient d'autres nationalités. Donc, je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut être tribaliste envers les Bamilékés, mais je dis seulement que, quelque part, si on rentre dans la psychologie de ces gens-là, il y a des blessures internes. Et si tu n'as pas eu une maman forte, qui a joué ce rôle de psychologue, il peut arriver que tu détestes. Même quand c'est dans la même tribu, les mariages de la même tribu,
quand deux personnes se séparent, si la maman ne fait pas un travail fort, parfois les enfants n'ont plus envie de saluer leur père. Donc, je dis ici aux gens, chacun doit prendre ses responsabilités. Prenons nos responsabilités. Bon, je passe sur ce point-là. Et même nous, les mamans, prenons aussi nos responsabilités d'expliquer aux enfants que ton père t'aime ou qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas la fin du monde. Donc, je passe sur ce point-là. L'autre point, c'était l'équilibre régional. Moi-même, je ne suis pas très d'accord avec l'équilibre régional. Parce que l'équilibre régional intervient généralement dans les pays où il y a un déséquilibre d'infrastructures. Parce qu'il faut aussi comprendre ce problème-là. Il y a un déséquilibre d'infrastructures souvent, et c'est pour ça que les autorités parfois peuvent regarder et dire que faisons l'équilibre régional pour qu'il y ait telle ou telle chose. Bon, Stevie, tu as pris l'exemple des d'un concours de Polytechnique, qui est l'un des concours les plus difficiles, mais bien sûr, écoute puisque moi, la Polytechnique... En quelques minutes, hein, tu vas conclure en quelques minutes, non, s'il te plaît, parce que je vais prendre d'autres personnes aussi, je vais continuer. Donc, tu comprends? Oui, mais je suis seulement sur un deuxième point, là. Je disais que l'équilibre régional, je dois donner mes arguments, je ne vais pas seulement dire je suis pour, je suis contre. Je tu as pris l'exemple de Polytechnique. Tu as dit que Polytechnique, mais Polytechnique, c'est les sciences. C'est tout à fait normal que là-bas, que les gens de l'Ouest soient majoritaires. Maintenant, il y a aussi d'autres concours où il y a beaucoup plus de langues, les concours comme lyrique, des concours comme des STIC. Et le même équilibre régional est appliqué. Ce que je voulais dire, c'est que l'équilibre régional, ça existe aussi même en Europe. Hein? Même en Europe, ici, ça existe, même aux États-Unis. Je peux te poser une question seulement, ma soeur. Je peux te poser une question, pardon. Dis-moi le nom d'un professeur de français qui t'a marqué. Le nom d'un professeur de français et d'histoire qui t'a marqué, pardon. Juste comme ça, vite fait. Professeur de français qui m'a marqué, Madame Elundu, par exemple. Oui, et d'histoire. Histoire, je ne me rappelle vraiment plus, puisque moi j'ai fait les sciences. Donc, l'histoire, ce n'était pas trop mes matières. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je voulais dire que l'équilibre régional existe même ici en Europe. Et que, si vous avez bien suivi l'histoire d'Obama, la note de Barack Obama ne lui permettait pas de faire les études de droit. S'il n'y avait pas ce qu'ils appellent ici en Europe la représentativité, s'il n'y avait pas la loi de la représentativité, c'est-à-dire que les blancs prenaient 100% des places. Alors on avait mis une loi pour que les noirs aient aussi accès aux études de droit. Et c'est par rapport à cette loi-là que Barack Obama est passé. Sinon, il ne passait pas. Moi, je vais te prendre mon exemple. J'ai étudié ici la bioinformatique. Et ce semestre-là, dans mon université, j'étais la seule noire à postuler dans cette filière. Donc, si j'étais une blanche, je n'aurais pas eu la place parce que mon numéro clausus, le numéro clausus m'éliminait. Le numéro clausus veut dire qu'une seuil de notes en deçà de laquelle on ne peut pas te prendre. Il y a des filières ici, on va te dire que même les études en médecine, les numéros clausus, c'est souvent à 16 de moyenne. Or, nous avons nos frères qui viennent de l'Afrique avec les 12 et les 14 de moyenne qui réussissent à rentrer en médecine. Donc, il y a aussi cette loi-là. Il y a un quota pour les Noirs, pour les Africains dans les universités. Parce que si on ne met pas ce quota-là, même les Africains n'auront pas la chance de faire cette filière. Mais entre les Blancs du même pays, c'est le numéro clausus. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Tu ne peux pas, un enfant qui sort par exemple de l'extrême nord, le gouvernement même sait qu'il n'y a pas des écoles là-bas, l'enfant peut-être... Ma soeur, excuse-moi une seconde. Mais quand tu parles comme ça, tu estimes que je vais faire la suite de mon live à quel moment? Oui, mais parce que c'est ça que je dis. Mais quand tu parles, il faut aussi que tu laisses la possibilité qu'il y ait un échange. Parce que la façon dont tu parles, on ne peut pas faire. Non, mais si tu veux
veux parler, vas-y. Dis-moi que tu veux parler, je te donne la parole. Vas-y. Non, c'est toi qui me donne la parole. C'est mon live à moi. C'est moi qui te donne la parole. C'est pas les oui, mêmes. Mais si tu veux me couper, coupe-moi. Si tu ne me coupes pas, tu sais qu'il y a un retard. Si tu ne me coupes pas, je ne saurais pas que tu veux parler. C'est comment moi, tu vas savoir que tu parce veux que parler. Parce que tu as deux écrans. Tu as deux appareils qui te permettent d'écouter. Tu dois arrêter l'autre son. Là, tu m'écoutes seulement sur le téléphone. C'est mieux pour toi. Je te suis très bien. Ah, ok. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que. Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'ai étudié dans plusieurs universités en Allemagne. Bon, au moins deux. Alors, le numéro clausus, pour que les gens qui nous suivent écoutent, il faut qu'ils comprennent parce que ce n'est pas tout le monde qui est en Allemagne. Le numéro clausus en français, ça peut se définir comme étant le seuil de moyenne limite. Ça veut dire que pour être admis dans une faculté, dans les facultés de sciences, de médecine, de certaines facultés, il faut avoir un certain taux de réussite. Il faut avoir un certain cumulé de moyenne qui vous permet d'entrer. Alors, quand vous n'avez pas ça, parfois, on vous refuse. Alors, en Europe, il y a ce qu'on appelle le numéro clausus. Et c'est important, pourquoi? Parce que c'est différent. C'est là où je voulais venir, c'est différent de ce qu'on appelle l'équilibre régional. C'est différent, pourquoi? Parce que cela s'applique à un quota de minorité. C'est très différent. Ça s'applique à un quota de minorité parce que nous, les... Mais attends, tu vas dire un mot. Tu as dit beaucoup de mots tout à l'heure. Je veux juste te dire mon point de vue. Ce quota-là, c'est un quota qui s'exprime par rapport à la minorité. Les Noirs sont une minorité en Allemagne. Les Noirs sont une minorité économique en Allemagne. Les Noirs sont une minorité sociale en Allemagne. C'est pour ça qu'il y a dans ce numéro clause, parce qu'on considère qu'en donnant cette possibilité aux Noirs, ça leur permet aussi d'entrer dans certains cercles. Ça, c'est pourquoi il y a cette ouverture-là. Moi, par exemple, j'ai fait à Hambourg. À Hambourg, tu vas voir l'université d'Hambourg au niveau, pas à Bergedorf, mon niveau même de ce qu'on appelle Grindelallee. J'ai fait l'université de Grindelallee. J'ai fait partie de cette faculté là-bas en politologie. C'est la science. Et le numéro classe ne s'est pas appliqué à moi parce que j'étais noir, mais parce que je venais particulièrement du Sub-Sahara. C'est pour ça que j'ai été intégré à ce niveau-là. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui vient, par exemple, de Bayern, qui est un Allemand, qui est né à Bayern, va être privilégié par rapport à quelqu'un qui vient, par exemple, de Dresden. Ce n'est pas possible. Le numéro clause ne s'applique pas à ce niveau-là. Donc, si tu peux me dire quelque chose par rapport à ça, je crois qu'on va s'entendre. Oui, il faut qu'on s'entende très bien. Je n'ai pas dit que le numéro clause, c'est l'équilibre régional. Je dis bien que un Camerounais qui a 12 de moyenne peut facilement étudier la médecine et on supprime la place d'un Allemand qui a 15 de moyenne. Mais c'est un problème de niveau. Donc, si on veut regarder le niveau, les Africains ne vont jamais rentrer dans les universités ici à cause de la moyenne. Je suis clair là-dessus. C'est la même chose que AUKUS. Quand tu vas faire le concours de Polytechnique, toi, le Bambineke qui a 18 de moyenne, ou bien disons 15 de moyenne, on va te laisser pour prendre un gars du Nord qui a 12 de moyenne. Parce qu'on va du fait que lui, étant né au Nord, ayant fait l'école au Nord, il n'a pas eu la même chance et les mêmes infrastructures que toi. Tu penses que les Blancs... Et c'est la faute de qui donc? Non, c'est clair que c'est la faute du gouvernement. Non, ça c'est très clair. Et c'est justement parce que le gouvernement sait que... Laisse-moi finir. C'est justement parce que le gouvernement sait qu'il a fait faute à ce niveau-là qu'il essaye d'équilibrer avec l'équilibre régional. Mais le plus important serait que le gouvernement mette des infrastructures partout pour que les enfants aient la même chance. Donc tu estimes qu'un enfant qu'on regarde parce qu'il a eu, tu estimes qu'un enfant qu'on regarde parce qu'il a eu 17 de moyenne et qu'on a pris un enfant qui est 11 de moyenne, c'est, ils ont eu les mêmes chances, tu estimes ça? Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Puisque quand tu rentres même dans les concours de l'école normale, on voit les nordistes qui ont 10 de moyenne entrer et même les bétis qui ont 15 de moyenne rester. Il y a un quota par région. C'est ça qu'on appelle l'équilibre régional. Donc, c'est un problème de nôtre. Tu sais quel est le quota, par exemple, du centre? Pardon? Tu sais quel est le quota du centre? Et le même équilibre, écoute, il ne faut pas te faire... Tu sais, moi, je suis dans la révolution. Mais il ne faut pas toujours chercher à mettre la faute d'un côté. Le même équilibre régional est aussi pratiqué dans les filières A. Hein. Dans les filières A, la majorité des gens qui ont les meilleures notes, ce sont les bêtis. Les bêtis dont les gens du centre et du sud. Donc si on veut faire aussi, si on ne fait pas l'équilibre régional là-bas, on n'aura pas beaucoup de gens qui seront journalistes, on n'aura pas beaucoup de gens qui seront en relation. Ok, madame. Oui, madame, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi une seconde. Cite-moi le nom de deux grands journalistes du Cameroun que tu connais.
Je vais te citer J.Remy Ngono. Oui. Je vais te citer Charles Ndongo. J.Remy Ngono a fait quelle école de journalisme au Cameroun? Dis-moi, dis-moi un nom. Non, ce n'est pas égal, ce n'est pas égal. On parle de concours, madame. Madame, madame, s'il te plaît. Madame, tu as dit ceci. Non, mais là, ce qu'on s'entend plus. Non, c'est bon, ce qu'on s'entend plus, madame. Non, c'est ça que je te dis donc que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je te dis donc que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas vrai. Mais, je vais te donner quelle référence alors. L'Institut des statistiques du Cameroun. Dis-moi qu'au Cameroun, oui. 80% des journalistes sont des gens de l'Ouest. Je peux te donner des noms, madame. Je te donne des noms avec des écoles, des gens avec qui j'ai fréquenté. Les noms ne sont pas les pourcentages. Moi, je peux aussi te donner les noms. Tu m'as demandé les noms, je t'ai donné deux noms. Madame, attends. Stop, s'il te plaît. Stop, s'il te plaît. Une seconde. Une seconde. Allons-y thématiquement. Ne crions pas. En termes de pourcentage, il y a un seul institut au Cameroun qui est capable de donner des statistiques. Ça s'appelle l'Institut des statistiques du Cameroun. C'est basé à la Cité Verte. On est d'accord? L'institut qui est basé à la Cité Verte a été finalisé en 2016. Donc, tu imagines qu'un institut comme celui-là qui n'est pas capable aujourd'hui de dire qu'il y a plus de 17 morts de coronavirus au Cameroun va donner les chiffres exacts. De ceux qui sont... Je vais déjà te montrer que cet institut ne peut pas donner des titres vrais. Alors, partons maintenant sur les noms. J.Remy Ngono. Non, je vais te donner les faits. Oh, madame. Quand tu te prépares pour faire l'émission, il faut avoir les statistiques devant toi. Non, madame, là, tu déranges. Déjà, je n'aime pas qu'on m'appelle pour me déranger. Je parle scientifiquement. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une argumentation. Je démontre que l'Institut des statistiques du Cameroun n'est pas capable de donner des statistiques. Donc, partant de là, moi qui suis un Camerounais lambda, je ne peux que, pour qu'un travail soit propre, il faut que je donne des chiffres officiels. C'est ça qu'on appelle la science, c'est ça la démarche scientifique. Il faut donner des sources crédibles. Or, dans un État, les sources crédibles sont des sources qui sont certifiées par l'État. Donc, l'Institut des statistiques du Cameroun, moi je te dis que l'Institut-là est basé à la Cité Verte. Ça veut dire que je sais de quoi je parle. Et cet institut a été finalisé en 2016-2017. Donc, ils ne peuvent pas avoir les mécanismes de pouvoir donner clairement des chiffres à ce niveau-là. Voilà comment on dit que, je te dis donc que ce monsieur n'est pas capable, donc le monsieur qui gère cet institut ne peut pas donner des chiffres. Pourquoi tu veux que moi, je vienne te donner des chiffres? Point 1. Point 2. Moi, donc, en tant que journaliste, je te dis que je connais le milieu. Et J.Remy Ngono, je le connais. Et je te dis que ce J.Remy Ngono a fait ce qu'on appelle Siantou, qui est une école conçue, créée, prévue, organisée par un Bamileke qui s'appelle Lucien Wantou Siantou. Ça, c'est point 1. Point 2. Alain Foucault n'est pas forcément bêti. Hein? Ça, c'est point 2. Alain Foucault n'est pas forcément bêti. Je peux te citer, par exemple, notre confrère qui est mort aux États-Unis suite à un accident bizarrement organisé. Vous connaissez bien. On peut dire que voilà quelqu'un qui n'est pas bêti. Je peux te dire clairement que moi-même qui te parle, je ne suis pas bêti. Et Dieu seul sait les facultés que j'ai fait en journalisme. Si tu veux voir, tu es en Allemagne, va à Berlin même où j'ai été formé, dans un journal qui s'appelle Die Taz, où il y a encore mon nom pour lequel j'ai travaillé pendant des mois et des années même encore. Il y a mon nom, je ne suis pas bêti. Va voir dans les facultés de lettres au Cameroun qui sont les doyens en lettres au Cameroun à la faculté de Yaoundé 1. Tu vas voir, ce n'est pas forcément un bêti. Va voir du côté des sciences juridiques, du côté de soi. Tu vas voir, ce n'est pas forcément un bêti. Donc, je crois qu'il y a un sérieux problème. Je ne peux pas accepter qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies. Et tu ne peux pas me demander de donner des statistiques parce que ce n'est pas possible de donner des statistiques. C'est comme me demander de dire combien de personnes sont mortes lors de la catastrophe du NAC News. Qui va te dire des vrais chiffres? Qui va te donner des vrais chiffres? Donc, restons concentrés sur notre débat. Je dis ceci, en termes de science, j'ai parlé du concours, il y a un autre appel entrant. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est... Oui,
je t'assure, si tu m'appelles pour me parler aussi des statistiques, là, je te jure que je vais pas aller me coucher seulement. Je vais aller me coucher. Laisse tomber avec les statistiques et les gens qui parlent de n'importe quoi, là, qui ne connaissent pas vraiment. Je vais dire quoi, qui ne connaissent pas vraiment le sujet, excusez-moi de dire ça. Mais je préfère qu'on reste dans ce qui est plus important pour les Camerounais. Donc, bon, concernant d'abord la thématique, le syndrome du chien battu. Et je rappelle que ça n'existe pas. Je voulais dire. Pardon, ne partez pas écrire ça dans vos devoirs à l'école, s'il vous plaît. C'est quelque chose, c'est un néologisme que j'ai. S'il vous plaît, ok, je dis ça parce qu'il y a des gens qui me suivent. n'est pas peur, Stevie. Okay. En fait, je sais que ça découle de. Je vais dire quoi? Je sais que ça découle d'un certain nombre de faits. C'est un néologisme que tu crées parce que ça découle, selon toi, d'un certain nombre de faits observables et observés. Donc, ne te dérange pas, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai juste un truc à dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, la thématique est tellement importante qu'il faut ajouter deux ou trois petits trucs. Je vais raconter juste une petite histoire pour que les gens comprennent un peu. C'est-à-dire, je vais dans le groupe, dans mon groupe de famille, et je dis aux gens. Vous savez quoi? Il y a une pétition. Il y a une pétition qui demande que le rapatriement ou bien le départ immédiat de l'ambassadeur de France au Cameroun. Et je souhaite que tout le monde signe cette pétition. Je partage la pétition. Je reçois exactement 4 appels. Oui. Des gens qui me disent vraiment, Christian, c'est vrai, on aime bien, on veut bien que l'ambassadeur parte, mais si on écrit que l'ambassadeur doit partir là et que demain on vient nous arrêter, ou bien je veux aller dans un bureau pour faire signer un papier, on me dit par exemple que je ne peux pas faire signer le papier parce que j'avais écrit qu'il faut que l'ambassadeur parte, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, et si je te dis ça, c'est parce que ce sont mes grands frères. Hein. Mm-hmm. C'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont plus âgés que moi qui me posent le problème. Yeah. Mais je leur demande, mais attendez, en fait, on est en train de se battre pour que cette situation change. Si on ne se bat pas, comment est-ce que tu auras la liberté d'exprimer ton opinion face à un problème qui se pose au Cameroun? On doit pouvoir se battre pour que ça change. Comment on peut vous donner une porte de sortie, mais vous préférez la fermer et aller vous engouffrer dans une fenêtre, entre les mailles d'une fenêtre dans laquelle vous ne pouvez même pas passer? Je ne comprends pas. On ne peut pas vouloir le changement et ne pas œuvrer pour le changement. Tous, je dis bien, sont d'accord avec moi, sont d'avis avec moi, qu'il faut que les choses changent. Mais ils disent que non, et ils ne peuvent pas signer la pétition, parce que vraiment, si demain ils veulent faire un dossier et qu'on leur dit que la pétition, mais signer pour que ces gens qui vont vous empêcher de signer vos dossiers soient partis demain ou après-demain, et que la situation du Cameroun change. C'est ça. J'ai été vraiment très meurtri, très énervé, et malheureusement, mais puis je suis resté tranquille. Je dis, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois, c'est quatre au moins qui m'ont dit ce que je suis en train de te raconter. Tu comprends jusqu'à quel point le mal est profond. Le mal est tellement profond, et c'est les mêmes gens qui disent tous les jours que les choses ne marchent pas. Que rien ne marche au pays, qu'ils veulent faire ceci, ça ne donne pas, ils entreprennent ici, ça ne donne pas, il faut que ça change. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Je vais terminer par un petit truc, Stevie, pour éviter une certaine polémique.
la polémique sur le tribalisme. Moi, je ne suis pas Bamileke. Je raconte une petite histoire de mon oncle qui est commissaire aujourd'hui. S'il m'écoute, il peut confirmer ça. J'ai réussi le concours dans une grande école au Cameroun il y a quelques années. En 2005, je pense, oui. Et il me dit, bon, moi, il n'est qu'officier, s'il te plaît, de police. Il me dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas les moyens comme ces familles de bourgeois qui peuvent offrir tout à leurs enfants lorsqu'ils ont un grand concours. Mais je vais te demander une seule chose. Fais de tous tes amis, je dis bien, fais de tous tes amis des Bamileke. Parce que eux seuls pourront te donner cette capacité à te surpasser pour atteindre tes objectifs. Ça, je te dis, ça, c'est un témoignage vivant et je le dis tous les jours à tous ceux que je rencontre. Il faut toujours prendre les gens dans leur bon côté. Il faut éviter de prendre les gens en ce qu'ils font de mauvais. Et je dis merci à cet oncle-là aujourd'hui. Et je le lui ai dit depuis des années. Merci et je continuerai à lui dire merci parce que grâce à ces gens, je me suis surpassé. J'ai fait tellement de merveilles à l'école. Parce que d'ailleurs, j'ai fait une filière scientifique. Je me suis surpassé et j'ai atteint certains niveaux où je ne pensais jamais arriver grâce à ces gens. Je le dis encore, les Camerounais doivent apprendre à prendre leurs frères du bon côté. Que de ne observer que leur mauvais côté. La vie nous l'enseigne même, toujours prendre les gens de leur en fonction de ce qu'ils font, qui est bien, même dans le mariage. Si tu ne le fais pas, tu ne peux jamais résister dans un mariage avec ton épouse. Tu ne feras pas deux jours. Donc les Camerounais doivent apprendre ça, éviter de se retrouver dans des polémiques où le Bamileke est monté, où celui-ci est monté là-bas, où c'est... Donc, ça, c'était juste une petite anecdote pour essayer de dire à nos frères Camerounais que apprenons, s'il vous plaît, à prendre les gens du bon côté. Et vraiment, que Kamto soit Bamileke, qu'il soit Boulou, qu'il soit... Il aurait été même Yambassa ou Bamoua ou bien n'importe quoi nordiste, à cause de ses idées, de ce qu'il propose aux Camerounais, je me serais toujours aligné. Il aurait même été Ekan. Je me serais toujours aligné parce qu'il propose quelque chose de différent, quelque chose de prometteur. Il vient avec quelque chose de très bien pour notre pays. Et je ne sais pas pourquoi tout cet acharnement. Tout le monde veut absolument montrer que ce qu'il fera ne sera pas bien pour le Cameroun. En ce sens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, c'est la théorie du chien battu. Moi, je t'ai dit... Et justement, c'est ça la théorie du chien battu. C'est ça. Merci, Stevie. Je ne vais pas garder l'antenne pendant longtemps. Merci encore et bonne soirée à toi. Merci encore. Merci à toi aussi. Merci à toi. Allô, bonjour à toi qui nous appelle. Tu nous appelles des États-Unis. Hein. Oui, allô. Oui, bonjour à toi. Le temps que tu parles, je vais partager mon écran comme ça que ceux qui me suivent sachent de quoi je parle. Voici les résultats de l'ESTIC qui est un examen littéraire. J'espère que vous voyez quand même qu'il ne s'agit pas des... Vous voyez les noms, non? Vous voyez les noms. Tu as la parole, hein? Tu as la parole, mon frère. On t'écoute. Ok. Ben, déjà, je te tire un gros chapeau pour le courage que tu as de dire aux Camerounais ce que tu penses et toujours... et donner l'opportunité aux autres aussi de le dire. J'avais déjà deux remarques. La première remarque, c'est que je pense que tu devrais fixer un temps
c'est-à-dire peut-être 5 minutes, pour que quand chacun prend la parole, il sait qu'il a 5 minutes, et après 5 minutes, tous les extra time dépendront de toi, en fonction de ce que tu aimerais discuter avec la personne. Comme ça, ça réglerait le problème du temps. La deuxième chose, c'est, je pense que la dame qui est passée tout à l'heure, elle a le droit, c'est la démocratie. Je pense que c'est une des choses sur lesquelles tous les Camerounais se battent aujourd'hui. C'est-à-dire, elle a le droit de dire ce qu'elle dit, là. Même si je ne suis pas d'accord, moi non plus, je ne suis pas d'accord par rapport à tout ce qu'elle a, elle a cité, mais elle a son argumentaire, je pense qu'on doit l'écouter. Donc, tu sais, moi, je suis l'exemple vivant. Je vais... Oui, je l'ai écouté, non, on l'a écouté, on lui a donné la possibilité d'intégrer. Oui, je suis très d'accord. Donc, c'est juste parce qu'à la fin... Non, je suis très d'accord, tu l'as écouté. Voilà. Oui. Donc, moi, je vais intervenir plus sur deux points. Le premier point, c'est les concours. Et le deuxième point, c'est la haine du Bamileke. Oui. Je commence par les concours. Moi, je suis la preuve vivante que cette histoire de régionalisation est un vrai fléau pour notre pays. Moi, j'ai fait chimie à l'université de Yaoundé 1 et je n'ai pu avoir aucun concours. Bien, à un certain moment, je me croyais même cancre. Bien. Tu comprends? La plupart de certains de mes amis, ils passaient, ils étaient enseignants. Et je me suis retrouvé en Master 2 sans aucun revenu. Je me battais avec les répétitions. Je dis aucun concours. J'ai fait tous les concours que tu peux savoir en chimie, c'est-à-dire l'école normale, tous les écoles normaux là, et tout ce que tu connais. Puis aujourd'hui, je suis docteur en génie chimique au Canada. Pourquoi? Parce que j'ai rédigé un projet de thèse qui a tellement intéressé quelqu'un qui a décidé de le financer. Moi, j'avais même des difficultés à payer mes frais de scolarité à l'école, à l'université Yaoundé. Tu comprends? Aujourd'hui, je suis docteur et je travaille dans un grand centre de recherche et je ne me plains pas. Imagine-toi si je n'avais pas eu cette chance. Et je sais qu'il y a beaucoup, je dis bien beaucoup, qui sont dans ma situation, qui sont actuellement au Cameroun, voilà. Et qui n'ont pas cette chance. Voilà, merci, merci déjà. Merci. Donc, il n'y a pas de question. Oui, pardon, permets-moi un peu une seconde, je t'en prie, mon frère. Permets-moi une seconde, juste une seconde. Parce que là, tu as un cycle doctoral, forcément, on va bien se comprendre. Est-ce que tu comprends donc la nécessité pour moi de dire aux Camerounais que cette affaire d'équilibre régional, c'est un vice, c'est une nuisance, ça tue totalement l'intellectuel, ça tue le génie. Je ne vais pas vous dire les concours que j'ai faits, mais moi-même, je suis une victime de cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en Allemagne, je suis tranquille. Et je suis pratiquement dans le même cadre que toi. Et quand je dis, ce sont des mêmes Camerounais qui viennent m'expliquer que non, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je dis que c'est le syndrome du chien battu. Donc, merci encore pour cette explication que tu donnes là. Merci de faire ce témoignage que tu fais. Donc, je te donne la parole, continue de le faire. Ok, donc c'est ça, et puis je n'ai pas pu d'en trouver quelque chose à faire au pays, et aujourd'hui, ceux-là qui disaient que je n'étais pas capable, tu comprends, de passer un concours au Cameroun, peut-être parce que j'étais mauvais, je fais des conférences à Polytechnique, je fais des conférences à l'université de Yaoundé 1, je fais des présentations, et ces mêmes enseignants qui me prenaient pour un bête qui ne connaissait rien, ils sont comme mes collègues. Tu comprends? Et on discute comme si de rien n'était. Comme si hier, je veux dire, tout se passait bien. Et c'est ça le vrai problème dans ce pays. Est-ce qu'une fois, pour une fois dans notre vie, on va accepter que le mérite, c'est le premier critère? Oui, on peut faire des équilibres, on peut faire de la gymnastique. Mais on commence d'abord par mettre au top ceux qui sont capables d'eux. Puis on pourra diluer après, comme ils ont l'habitude de faire avec des trucs compliqués, et puis that's it. Mais en se disant que ceux qui sont là devant, c'est des gens qui peuvent apporter un plus au pays. Le Cameroun est où aujourd'hui en termes de recherche? Nulle part. On fait quel type de recherche au Cameroun? Voilà, Madeleine, tu hein? On compte les chauves-souris, c'est ça? Et on me montre un appareil. Moi, je t'ai dit, j'ai fait génie chimique. Et mon domaine d'expertise, c'est la production et l'extrusion. Je t'ai dit, l'appareil que j'ai vu là, c'est une extrudeuse, Bivis. Celle qu'elle dit qu'elle peut faire, je crois, 300 chloroquines à la minute. Mais je te le dis,
de plein droit de quelqu'un qui connaît ces choses-là, c'est faux. Avec l'appareil que j'ai vu là. Je te dis qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des technologies trois fois plus avancées que ça. On ne peut pas faire ce qu'elle a dit. Imagine-toi dans une version des années 60 qu'ils ont là. Alors qu'ils ne nous prennent pas pour des bêtes. C'est une fabriqueuse de quinine. Il y a des gens qui sont des Camerounais, il faut dire la vérité aux Camerounais qui ont des expertises dans ce qu'eux ils font là. Fabrication de quinine, c'est pour les quinines ça, les anciennes quinines. Donc il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, ils sont en face du monde. Ils ne peuvent plus diriger le Cameroun comme c'était le cas dans les années 90, où on te disait, tu étais caché à l'ouest, et puis quelqu'un te dit, après, on a fait telle chose à Yaoundé, tu ne suis qu'à la radio, et puis tu... That's it. Aujourd'hui, le monde est tellement... Tout est tellement rapide que ce qu'ils disent, on peut le vérifier en deux, trois mouvements, pour être sûr que ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Un autre Camerounais possible, mes amis. Et chaque jeune Camerounais peut avoir la possibilité d'avoir quelque chose. On ne dit pas qu'on peut tous être riches, mais au moins vivre une vie de qualité. Te lever le matin, ne pas avoir à regarder ce que le voisin fait, parce que tu as la possibilité de faire la même chose que lui. Et c'est possible. On est riche. On est juste dirigé par des lépreux qui ne font que faire la manche, qui n'ont aucune façon de réfléchir, qui n'ont aucun futur pour nous. On doit s'en débarrasser. Fût-il Eton, Bamileke. Moi, je suis Bamileke et je parle de la même chose d'un Ganoun du Messie. C'est un clochard. Je le dis haut et fort, il n'a rien fait pour les routes du Cameroun depuis plus de 17 ans, 18 ans qu'il est ministre. Et je dis la même chose de Ngongo, je dis la même chose de Joseph Oune. Ces gens-là ne peuvent rien nous apporter. Qu'on arrête avec le tribalisme, que Vision 4 arrête avec ses chants à longueur de journée sur le MRC. Le dit ne veut forcément pas dire qu'on est du MRC. Okay, merci. On veut voir autre chose. Merci à toi, mon frère. Voilà la vraie question. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je dis la dernière chose, je parle la dernière chose qui concerne le tribalisme. Je pense que nos frères Béti sont nés avec cela dans le cœur. J'ai fait ma terminale dans leur région. Et je parle d'autorité. J'ai beaucoup d'amis. Et je vais te dire, quand je suis allé là-bas, mon frère n'avait vraiment pas les moyens. Il venait juste de sortir de l'école. Et je te dis que ce sont des frères de là-bas qui m'ont aidé. Si je n'avais pas eu de vrais amis là-bas qui sont Béti, bien sûr, je serais mort. Alors que les gens nous arrêtent ces histoires de tribalisme, zéro. Zéro. Le bas peuple souffre. Et ces gens qui sont au-dessus de nous manipulent ceux qui n'ont pas de la jugeote. Il faut qu'on arrête. On s'en débarrasse, on fait un nouveau Cameroun et puis on avance. Et ce Cameroun-là, il est possible. Il est possible qu'un jeune qui ne parvient pas à avoir une licence, qu'on lui fasse faire une licence professionnelle, il se met dans l'industrie, il produit et nous on vend dans les pays environnants et tout Camerounais vivra bien. C'est possible. Ceux qui l'ont fait n'ont pas 4 cerveaux, ils n'ont pas 10 cerveaux, ils ont les mêmes cerveaux que nous. Alors que les gens arrêtent. Si tu as des questions, je peux répondre. Sinon, c'était ça ma contribution. Merci encore à toi. Tu es exactement dans ton temps. Merci encore à toi. Merci à toi. Donc, je vais continuer. Merci encore à toi. Je vais prendre un autre appel. Alors, allô, bonjour. Vous savez que je suis en direct. Mon vent dans les pays environnants et tout Camerounais vivra bien. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. Dans... Oui, allô, je voudrais participer. Bon, il est bien vrai que l'autre monsieur est tellement long. Je voudrais participer. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, allô, vraiment, je vais commencer par dire... Bonjour d'abord et vraiment beaucoup de courage pour ce que tu fais. Beaucoup de courage pour continuer à, comme on dit, désambitionner et prouver aux Camerounais qu'on peut, qu'il y a un nouveau Cameroun. Et je voudrais un peu répondre à la femme qui est passée tout à l'heure, où elle parlait que même au niveau des États-Unis, il existait l'équilibre régional. Je dis ça, c'est faux. Parce que vraiment, tu es beaucoup suivi. Et il faudra vraiment dire la vérité aux Camerounais. D'abord qu'aux États-Unis, c'est le mérite. Parce que nous, ici, on parle de pourcentage. Si déjà on dit pour réussir ou pour avoir tel concours, il faut avoir un pourcentage de 80. Si tu n'as pas 80, on ne te compte même pas. Et surtout que ici, chez nous, nous avons des systèmes où dès que tu as terminé ton examen, tu as directement ton résultat.
Donc, quand elle dit, même au niveau des États-Unis, j'ai compris, là, tout à l'heure, elle a parlé, même jusqu'à prendre l'exemple d'Obama. D'Obama, vraiment, il faudra dire vraiment la vérité aux Camerounais. Et moi, je pense que c'est juste parce que... Oui, 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 je suis aux États-Unis. Oh, je suis aux États-Unis. Et quand je suis... Ce qu'elle donne comme explication, juste parce que peut-être elle voudrait tirer la couverture de ton côté, ça me fait mal, ça me fait froid au dos. Parce que, en fait, quand tu ne connais pas, il faut demander, en fait, ce que tu connais, il faut demander aux gens qui peuvent moins te donner, bien te donner les bonnes informations. Donc, pour dire aux États-Unis, l'équilibre régional n'existe pas. Il est bien vrai qu'il arrive souvent dans certaines sociétés qu'on voudrait, on voudrait un peu faire la balance, mais il faut d'abord, si on se dit qu'il y a concours et que nous on a besoin de 85% pour accéder, si tu n'as pas 80%, que tu sois noir ou blanc, tu n'entres pas. Voilà le premier point. Et de deux, je voudrais aussi parler un peu de cette histoire de concours. Moi, moi quand je prends un peu l'exemple de mon cas, moi, j'ai été admissible parce que quand déjà au niveau du Cameroun, on te dit que tu es admissible, ça veut dire qu'au moins si on avait besoin de quelqu'un qui avait 18 de moins, tu as au moins eu ces 18 de moins. Moi, j'ai été admissible à la SEGNA. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la SEGNA. Et à l'INSET, j'ai été admissible à la SEGNA deux fois. Et à l'INSET deux fois. Mais je suis allé à l'oral. Je dis bien l'oral. L'oral que tu pars, on te pose la question et tu expliques non. Comme je suis parti à l'oral, donc j'ai échoué au niveau de l'oral, pas deux fois. Et quand on parle de tribalisme, en fait, je voudrais parler un peu de tribalisme. Le tribalisme ne peut pas nous avancer. Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu certains frissons quand j'entends certaines personnes aujourd'hui te dire que non, tu es Bamileke ou tu es Boulou ou tu es Bassa. Vraiment, ça me fait... Quand j'entends ça, ça me fait vraiment, c'est comme si j'avais, en fait, ça me donne un peu la palpitation. Parce que moi, j'ai fréquenté un peu, je peux dire un peu dans la majorité des régions, j'étais à Ngaoundéré, j'étais à Douala, j'étais même à Loué, j'étais à Yaoundé, j'ai fréquenté un peu dans toutes ces villes-là. Je vais te donner encore une minute, le temps que tu finisses, hein, parce que tu sais qu'on a mis un chrono, là, regarde ton ordinateur ou bien ton téléphone. Non, non, il n'y a pas de problème. Je pense une minute ou deux minutes suffira. Donc, en fait, c'est pour dire vraiment un Cameroun nouveau est meilleur. Et vraiment, et pour nous, vraiment, pour qu'on puisse se développer, on doit bannir le tribalisme. Parce que le tribalisme. Aujourd'hui, je prends un peu pour ceux qui ont un peu eu à voyager. Nous regardons un peu la Chine. C'est le communautarisme. Nous sommes aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. C'est la communauté qui développe. Et quand on veut développer dans la communauté, on ne sait pas si, on ne veut pas savoir si tu es blanc ou noir, si tu es américain ou si tu es boule ou tu es étonne. Vraiment, mon frère, je pense que nous, on doit changer nos mentalités. Et c'est le moment que jamais. C'est le moment que jamais. Vraiment, beaucoup de courage et bonne continuité dans ton, beaucoup de courage et bonne continuité dans ton, pour l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci surtout à toi. Merci à ceux qui nous appellent du côté des États-Unis. Merci à ceux qui nous appellent du côté du Cameroun. Merci à ceux qui nous appellent du côté du Cameroun. Je viens de lire un message là qui demande la discrimination positive, c'est quoi? Parler de discrimination positive, c'est comme parler de la politique du moindre mal. Est-ce qu'il y a le moins pire? Est-ce qu'il y a le plus pire? Est-ce qu'il y a mal et moins mal et plus mal et vraiment mal? Non. Je crois que c'est comme dire qu'est-ce qu'il y a le racisme positif. Ça, c'est une locution qui n'existe pas. C'est quand il y a mal, il y a mal. Quand il y a souffrance, il y a souffrance. Quand il y a mort, il y a mort. Il n'y a pas moins mort, il n'y a pas mal mort. Il n'y a pas plus mort que, il n'y a pas moins mort que. Il y a mort tout court. Je crois que l'affaire de concours au Cameroun, l'affaire de discrimination au Cameroun liée à la tribu, c'est une réalité, c'est une vérité. Et je crois qu'on doit tous comprendre que c'est instrumentalisé par le gouvernement parce qu'on donne moins de chances à certaines personnes pour créer, pour créer un environnement qui va favoriser le mécontentement des gens et qui s'attaque aux autres personnes. C'est ça que je voulais dire. C'est là où je voulais aboutir. Donc, on ne peut pas ici dire que dans le contexte de l'Allemagne, parce que honnêtement, je vous assure, pour l'Allemagne, quand même, en ce qui concerne le niveau académique en Allemagne, je m'y connais quand même, il n'y a pas ce qu'on peut comparer à un certain système d'équilibre régional. Non. Dans le Bayern,
il y a un système d'éducation propre au Bayern. Dans le Nordrhein-Westfalen, un peu plus au nord, il y a un système d'éducation qui appartient à ce groupe. Dans la partie est de l'Allemagne, il y a un système qui leur appartient. Chaque partie a son système à lui. C'est totalement indépendant. Je vais prendre l'appel qui entre. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, Stevie? Yeah, you know I'm on the line. Yeah. Yeah. Je voulais intervenir là, est-ce que je suis en ligne? Ok, c'est bien, tu interviens en français ou en anglais, c'est comme tu sens. Hein? Non, je vais essayer d'utiliser, je vais le faire en français, juste pour répondre à la dame regardant les États-Unis parce que j'ai quand même. L'attaquez pas, tu sais que c'est son point de vue. Non, son opinion. Non, non, c'est pas juste pour. C'est pas juste pour attaquer, c'est juste pour juste éclaircir exactement comment le système fonctionne. Parce que bon, j'ai fait mes études universitaires ici aux États-Unis et j'ai aussi fait mon MBA ici aux États-Unis. Et j'aimerais juste éclaircir les Camerounais qui sachent un peu comment le système le système est organisé ici et qu'on ne confonde pas ça avec notre équilibre régional au Cameroun. Ouais. Et ici, je voulais juste dire que bon, ici, le système est plus à part pour la méritocratie et c'est aussi basé par rapport au ranking des universités. Parce qu'ici, on a les universités qui sont classées d'abord. Parce qu'il y a tu vas entendre ici, on va parler des Ivy League, c'est là où tu vas te retrouver les Harvard, les Yale, les MIT, ces écoles-là. Après, il y a d'autres universités. Donc, il y a des classes d'universités. Et bon, maintenant, pour entrer dans ces universités-là, il y a des tests que vous faites. C'est automatique. Par exemple, pour entrer dans une université-là, vous faites il y a LSAT. Quand tu es en train de finir ce qu'on appelle au Cameroun sur le collégial pour entrer à l'université, donc tu fais ce test-là. Et les universités ont le score. Donc, tu entres dans une université based on the score. Based on the score, basé sur les scores que tu as reçus. Le plus bas score. Oui, oui. Et bon, maintenant, c'est automatique, mon frère. Avec ça, ce sont les meilleurs. Donc, les Ivy League, ils prennent les top. Et maintenant, le système va s'arranger parce que quand tu t'inscris dans une université, tu t'inscris avec tes scores. Et on te conseille souvent de t'inscrire dans peut-être 5 différentes universités. Et là, quand tu le fais, on te dit que ton université, mais c'est qui est C, là où tu sais que tu vas entrer, pour aussi tenter autre. Donc, où on va t'accepter, c'est là où tu vas aller. C'est comme ça que le système est reparti. Et bon, maintenant, quand tu finis maintenant au niveau du bachelor. C'est bon, mon frère, vas-y, continue, je t'écoute. Oui, oui. Et bon, maintenant, pour avancer, il y a maintenant les écoles professionnelles. Par exemple, tu vas aller faire la médecine. Il y a maintenant notre test que tu dois faire, MCAT. Si tu veux faire le droit, il y a maintenant notre test que tu dois faire, LSAT. Si tu veux faire peut-être un MBA, il y a maintenant un GMAT. Si tu veux faire maintenant les sciences sociales au niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle GRE. Et bon, maintenant, c'est basé sur les scores again. Dans ces écoles, il y a les meilleures écoles de médecine. Tu vas voir Harvard, tu vas voir Yale, tu vas voir toutes ces écoles encore. Il y a les écoles, c'est le rang, mais c'est classé. Tu vois, non? Et bon, maintenant, ça dépend d'où tu vas aller. Ils vont encore t'accepter là-bas par rapport à tes scores. Ils vont ensuite maintenant demander tes notes que tu as eues en undergrad, ce qui est là-bas comme l'université, ce que de tes autres notes. C'est par rapport à ça qu'on va t'admettre dans cette école-là et comment le système fonctionne. Donc, maintenant, le système est de telle sorte que l'équilibre régional ne peut même pas exister. Et bon, maintenant, parlons maintenant du Cameroun, j'ai un peu l'exemple du Cameroun. Ils sont en train de me battre là, dans mes groupes, pour faire signer la pétition, parce qu'ils pensent que c'est une très bonne idée. Et c'est la voie que nous devons, c'est une très bonne voie pour nous, spécialement ici à la diaspora, de nous faire entendre. Et bon, maintenant, je vais te raconter un peu personnellement, parlant du tribalisme, j'ai un groupe d'amis là. Ok, fais ça. Tu peux faire ça en 2 minutes. Non, je vais te mettre le chrono. Do you have a screenshot? You have a screen? Tu as un autre écran là, non? Voilà, super. Bon,
les lits au quartier et autres. Il y a les partages, on a les boulots, les, toutes ces zones sont mes amis intimes, on a grandi tous ensemble. Dans notre groupe actuellement, là, notre groupe WhatsApp, nous sommes dans des arguments là, par rapport à que il y a un de nos amis qui vient d'une autre région qui sont en train un peu de tourner. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, et j'ai du mal à expliquer ça, mais le mot positif que je sais, ce qui est en train d'arriver là, c'est que mon ami, à ce niveau-ci, là, même au niveau de changer, même au niveau politique au Cameroun, justement que, même en physique, on dit que quand il y a action, il y a réaction. Ce qui est là que nous sommes arrivés à un moment où il y a la réaction est en train de se produire. Et on doit trouver l'équilibre naturel des choses. Ça veut dire que tout ce que nous faisons là maintenant, ça ne pourra plus, ça ne peut même plus s'arrêter. Parce que ça va aller jusqu'à ce qu'on va trouver l'équilibre normal de notre société au Cameroun. Donc, si les gens se perdent le temps pour essayer d'attaquer que ce soit là, ça, même si nous on ne parle même plus, d'autres vont prendre la relève. Ça ne va plus jamais. Même en philosophie, on a déjà montré une voie qui n'existait pas et ça va devenir le travail de certaines personnes. Donc, je voulais juste te dire que les gens ne se dérangent même pas. Tout, les choses vont changer. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour le travail que tu fais. Tu as souvent des très bons sujets et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et merci beaucoup. Continuons à partager les pétitions. Merci. Bye. Merci déjà à toi. Merci à toi encore, mon frère. Nous allons vraiment lentement, comme ça, vers la fin de cet entretien aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'appels qui entrent. Mais on a quand même le devoir de laisser la possibilité à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole aussi pour faire des directs, des lives sur Facebook. Donc, je vais prendre au maximum 2 appels. Je vais clore le direct pour aujourd'hui. Je crois que l'essentiel était que vous compreniez que si les Camerounais agissent comme ça, c'est parce qu'ils sont victimes d'un processus de zombification qui a été mis sur pied et que nous sommes comme des psychiatres, des psychologues qui essaient de dézombifier ces personnes. Donc, ça prend du temps, c'est compliqué. Ils agissent comme des personnes, comme des chiens battus. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. Allô, bonjour, vous nous appelez de loin là. Allô? Allô? Ah, la personne n'agit pas. Là, on est obligé de raccrocher. Allô, allô, vous nous écoutez? Allô, il y a un numéro de France qui nous appelle là, qui est en ligne. Vous nous écoutez? Je vais prendre un autre appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis en direct là, je suis en train de prendre je prends le dernier appel là pour accrocher. Vous êtes en ligne? Oui, Sylvie, je ne vais pas durer longtemps à l'antenne. Ok, c'est bon. Ce que je te dis, c'est que le Cameroun a un problème, pardon? C'est bon, tu es en ligne, on t'écoute 5 sur 5. Oui, le Camerounais a un problème d'éducation nationaliste. C'est ce que j'ai dit dans certains groupes où on discute parfois. Et je ne veux pas, comme tu as dit, je ne veux pas attaquer la dame, mais je vais dire par rapport à elle, parce qu'il faut rétablir certaines choses. Mm-hmm. Est-ce que tu m'entends? 5 sur 5. Oui, donc moi, par exemple, je fais dans le génie civil et je suis en Europe, je ne vais pas dire où je suis. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, c'est la méritocratie. Elle dit qu'elle est en Europe, je veux dire qu'elle est en Europe, je ne sais pas, ou en Allemagne. Ou... Dans les écoles où j'ai eu à faire mes études, c'était toujours la méritocratie. Et ce que je veux dire, c'est que si on continue avec cette pensée d'équilibre régional pour le Cameroun, ça ne peut pas aider. Parce que scientifiquement, même si, je veux dire, toi-même, prends un exemple. Tu es dans un pays où il y a plusieurs communautés et que tu décides de faire l'équilibre régional. Celui qui a 17 de moyens est récalé. Or, celui qui a 12 de moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au nord, quelqu'un a 12 de moyens et qu'au centre, quelqu'un a 17 de moyens, on va laisser celui du centre pour prendre celui du nord. Non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on accepte la cancritude. Permettez-moi l'expression. Je suis un peu embrouillé parce que je veux dire beaucoup de choses et j'ai très peu de temps. Donc, je suis un peu vraiment embrouillé parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai trop peu de temps. Alors, concernant le tribalisme, premièrement, le tribalisme, c'est une frustration. C'est la même chose que la négritude ou bien le racisme ici en Europe.
Si on caractérise une pensée ou une idéologie selon le tribalisme, c'est une, moi je pense, c'est une base intellectuelle. Concernant, pardon? Non, je t'écoute. Allô, tu posais une question, Stevie? Non, j'ai rien dit. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais couper là parce que je suis vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais couper là en disant que ce que la femme a dit, c'est du mensonge pur. Et puis, il peut arriver dans certains domaines où on dit on privilégie les minorités, ce n'est pas de régionalisation. Ce qu'elle dit est absolument faux. Moi, je suis arrivé dans ce pays où absolument, je veux dire, ils privilégient même les nationaux, mais étant intelligent, intellectuel, j'ai pu entrer dans certains carrés, dans certains milieux. Dans un milieu qui n'était pas favorable à n'importe. Donc, ça veut dire ici, ça veut dire dans presque la majeure partie des pays que j'ai fréquenté, c'est de la méritocratie. Il n'y a pas de régionalisation. C'est tout ce que je veux dire. Je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi. Merci encore. Donc, je crois que c'était le dernier appel. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés, la thématique du jour, c'était le syndrome du chien battu. Donc, l'émission a été divisée en deux parties principales. La première partie, j'ai essayé de revenir déjà sur les choses qui ont été faites par les Camerounais qui se battaient pour que les choses changent. Je suis revenu après en deuxième partie pour expliquer réellement ce que c'est que la théorie du chien battu. Je suis parti des exemples tels que les atrocités que les Camerounais ont vécues, les douleurs, les maux que les Camerounais vivent au quotidien depuis des années pour expliquer que c'est ça la théorie du chien battu, que d'être battu chaque jour, d'être menacé, d'être malmené, mais de finir toujours par courir vers celui-là qui nous menace, de finir toujours par recourir, d'avoir l'impression qu'on a absolument besoin de se retourner vers la personne-là qui nous malmène, vers la personne-là qui nous torture. Excusez-moi si vous ne me voyez pas, c'est un petit souci technique là auquel je suis en train de remédier très vite. Donc, nous, au Cameroun, nous aimons quand nous sommes maltraités, nous aimons quand nous souffrons. C'est à croire que les Camerounais aiment la façon dont le gouvernement les traite. C'est à croire que le Camerounais aime la façon dont le régime Biya le traite. C'est à croire que le Camerounais se satisfait, en réalité, de ce qui est fait de lui au quotidien. On a expliqué aux Camerounais, par exemple, que Biya était mort. Les Camerounais ont nié, ils ont douté. Mais aujourd'hui, on voit clairement que l'absence injustifiée, injustifiable de cet homme démontre clairement qu'il est inexistant. J'ai fini donc par conclure que même s'il n'est pas mort, il est obligé de mourir. Parce que s'il veut vivre, il est obligé d'apprendre à mourir. Et je suis donc arrivé à la conclusion que les Camerounais qui n'arrivent pas à vouloir intégrer ça dans leur système sont donc victimes du syndrome du chien battu. Donc voilà en quelque sorte le résumé de notre émission qui a été faite aujourd'hui. Je rappelle que nous avons une chaîne YouTube, le lien est sur votre page et demain je vais lancer une émission le soir à partir de 20h exactement pour que nous parlions peut-être, dites-moi dans les commentaires, vous pouvez me dire dans les commentaires sur ma page Facebook ou bien sur ma page YouTube, vous pouvez me dire quel est le thème que vous préférez comme ça que je sache exactement comment nous pouvons développer ça demain. Mais demain, je voulais venir sur l'impact des sectes sur la vie des Camerounais. C'est important que nous le disons parce que le Cameroun de demain ne va pas se préparer demain. C'est à partir d'aujourd'hui. Dans les concours, nous avons parlé aujourd'hui des concours. Vous voyez clairement qu'il y a un impact clair du tribalisme sur les concours. Vous voyez exactement que la pensée dominante d'un groupe dominant sur une minorité impose à cette minorité de se conformer à ces individus. Vous voyez que donc cette majorité-là, qui est pauvre, qui est avilie, qui est mobile, qui est majoritairement dominée par une minorité, on se croirait en monarchie ou bien en aristocratie, impose donc son bien vouloir, son bon vouloir à cette majorité-là. Alors, qu'est-ce que les réseaux sectaires, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la Rose-Croix? Vous savez qu'au Cameroun, parfois, pour être ministre, il faut de temps en temps flirter avec certains groupes, certains lobbying. Et ce lobbying-là, parfois, nous impose de faire des choix, nous impose parfois de faire des sacrifices. Vous avez connu des crimes rituels, vous avez connu des meurtres, vous avez vu des ministres au Cameroun parfois garer des voitures, se mettre à courir en pleine rue. Vous avez même d'ailleurs des acteurs de cinéma
qui ont fait des films, des scènes, des courts-métrages pour expliquer en quelque sorte à leur façon ce qui se passait dans ces réseaux secrets-là, dans ces cercles-là, où il y avait les réseaux de sodomie, où il y avait des réseaux sectaires en quelque sorte, et comment ça se passait. Quel est l'impact donc de ça dans les sociétés académiques du Cameroun? Comment ça se vit dans les universités? Comment ça se vit dans le milieu professionnel, dans le milieu de travail, dans le milieu quotidien? Comment ça se vit dans les entretiens d'embauche? Comment est-ce que les femmes, les hommes sont confrontés à cela? Nous allons parler de ça demain sur notre plateforme YouTube. Donc, je vous prie donc de ce pas d'aller vous abonner sur la page YouTube qui est là, parce que demain à 20h exactement, je suis très précis, je suis très ponctuel. Allez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça pour que quand le live soit lancé, automatiquement vous soyez informé et que vous vous connectiez comme sur Facebook. Donc, merci de m'avoir suivi ce soir, merci d'avoir apporté vos contributions, merci encore pour les interventions que vous avez faites, je remercie encore, Chasserie en ce live pour l'intervention qu'elle a faite. Je rappelle qu'ici c'est une plateforme de débat, donc on ne vient pas forcément pour satisfaire tout le monde, mais c'est de la coalition des idées, c'est de la contradiction que naît la lumière. On a besoin de contradictions pour savoir quelles sont nos limites et quels sont nos avantages. C'est important pour nous de pouvoir mettre la lumière sur nos idées. Et on ne peut mettre la lumière sur nos idées qu'en contredisant certaines personnes, qu'en acceptant la contradiction. Donc, merci encore pour tous ceux qui sont engagés dans ce débat aujourd'hui. Merci pour tous vos apports, ceux qui ont appelé, ceux qui ont fait des messages, ceux qui ont fait des contributions en termes de commentaires. Je dis encore merci à Cameron La Panthère pour le travail qu'il fait, pour le combat qu'il fait. Je dis merci à tous ces Camerounais qui s'engagent pour changer le Cameroun. Et je dis encore courage à tous ceux-là qui continuent de se battre pour tenter de faire une psychanalyse du Cameroun, du peuple camerounais qui est encore resté dans le syndrome du chien battu. Rendez-vous la prochaine fois pour une thématique sur l'impact des réseaux sectaires sur la vie du Camerounais lambda. J'espère que nous avons eu un échange assez constructif ce soir. Je sais que vous allez partager ce direct et j'espère aussi que vous allez vous abonner massivement sur la page YouTube qui est en bas. C'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien, même pas un euro, même pas une minute. Vous appuyez juste sur le bouton abonner et c'est tout ce que je vous demande. Donc, merci encore. N'oubliez pas la pétition qui est à signer et n'oubliez surtout pas que le Cameroun reste une chose publique, ça reste la chose des Camerounais. Signez cette pétition pour que cet ambassadeur qui est en train de vouloir jouer le rôle de la France-Afrique nouvelle, de l'Empire colonial nouveau, disparaisse du Cameroun. Merci, c'était Stevie Sam.